la 59e édition du rallye Lyon-Charbonnières avait fière allure avec 152 équipages au départ de cette manche d'ouverture du championnat de France des rallyes 2007. Numéro 1, trouble fête de la fin de saison l'an dernier et double champion en titre des rallyes de terre, Jean-Marie Cuoq se lance dans la bataille au volant d'une Peugeot 307 WRC. C'est vrai qu'à tous les niveaux, il va y avoir de la bagarre, et notamment pour le scratch auquel on va essayer de participer. Donc on verra. Moi, j'attends avec impatience les premiers chronos pour voir un peu ce que ça va donner. Face à lui, Patrick Henry, également sur Peugeot 307 WRC. Henry revient aux affaires après une année sabbatique. Explication et ambition d'un homme heureux. Bah, c'est vrai qu'on est vraiment très très content, hyper content d'être présent ce premier rallye. Avec un team qu'on connaît, qu'on a contacté en 2005, Bozion, avec une nouvelle voiture, la 307, et on est vraiment ravis d'être sur ce premier rallye. Troisième Peugeot WRC engagé cette saison pour David Salanon. Salanon a déjà montré son coup de volant l'an passé, désormais au volant de l'ex-voiture de Nicolas Bouilloz, et annoncé comme le troisième homme, le Stéphanois pourrait créer la surprise sur un terrain qu'il affectionne particulièrement. Ouais, c'est surtout une bonne épreuve puisque c'est un profil de route qui ressemble à des routes de par chez nous. Donc j'aurais pas trop le parcours à découvrir. Il y aura deux voitures complètement dans la même configuration que nous, avec deux pilotes quand même très expérimentés du championnat et de la 307 aussi. Donc nous, on va apprendre, mais en restant humble et puis en essayant de se défendre. Et avec ces deux pilotes, que ce soit Patrick ou Jean-Marie, ça sera sympa puisque ça nous fera vraiment des valeurs étalons. Hein. Autre vert présent chez les Gaunes, Cédric Robert, l'ex-roi des Super 1600 et vice-champion, dispose de la nouvelle Clio R3 avec un programme chargé. On va faire 15 courses, le championnat de France asphalte, le championnat de France terre, avec un nouveau produit qui est Clio R3. De chez Renault Sport Technologies, grâce à nos partenaires. Très heureux parce que je prends une voiture à sa base, donc tout le développement, il va falloir le faire au fil des rallyes, donc c'est un nouveau challenge et c'est intéressant pour nous. C'est une formule R3 qui va voir le jour l'année prochaine en 2008. C'est un moteur 2 litres, donc beaucoup plus de couple que la Super 1600. Par contre, un poids un petit peu plus élevé, mais une voiture sympa à conduire. Sans faire d'ombrage aux pilotes présentés, l'attraction, pour ne pas dire la vedette de ce lancement de saison, se nomme François Delecourt, l'ancien vice-champion du monde, reprend le volant et les routes du championnat français uniquement pour son plaisir et donc celui des spectateurs. J'avais quand même tiré un trait et je croyais que c'était totalement terminé. Puis il y a eu cette possibilité de remonter dans une Porsche, qui est un véritable souvenir de gosse, hein, de conduire une Porsche un jour en rallye. C'est la conduite, c'est une atmosphère, c'est le bruit, c'est mille paramètres qui m'ont décidé de revenir. Le Charbonnières est totalement changé, je l'ai fait il y a 10 ans. La coéquipière est nouvelle, la voiture est nouvelle, il y a beaucoup d'ingrédients, donc il faudra pas être trop présomptueux et partir de manière modérable. En route pour la première spéciale de la saison, une première spéciale d'un peu plus de 15 km qui voit Jean-Marie Cuoq réaliser le temps scratch avec plus de 15 secondes d'avance sur Patrick Henry. 2, 1, partez. Droite à fond. Pour deuxième bite, gauche 115 moins corde, ouvre à fond, pour léger droite à fond, sur bite gauche 120 milieu, bref, 40 mètres, ferme bite rouge, 110 points, reste corde, bite rouge, 110 points, reste corde, sur droite 120, et gauche droite à fond moins, pour deuxième bite, gauche 110, reste corde, sur de suite droite à fond, bref, sur droite 110, corde, sur gauche 120, pas corde, de suite, 150 mètres, bite, gauche 110 plus milieu, ferme borne, 110 corde, bref. Ferme borne. Troisième, une Porsche. Non pas celle de Delecourt, mais la numéro 7 de Gilles Nantais. Nantais, leader du groupe GT, part vite, trop peut-être, car dans la seconde spéciale, il sort violemment de la route. Rien de grave pour Gilles Nantais et René Belleville, mais le rallye est terminé pour la Porsche 996 GT3. L'autre Porsche de Delecourt prend ses marques en ce début de rallye. Mais le couple Delecourt-Porsche, comme on dit, ça a de la gueule. 100 mètres, droite à fond, bref, et 200 mètres, gauche 110, long. 100 mètres, droite 105, tard. Droite 90, tard, bref, pas corde. Gauche à fond. 300 mètres, droite 110, tard, plus gauche à fond. Et dans droite 100, bref. 50 mètres, gauche 115, long.
En tête, Henri réplique à Kuok dès la seconde spéciale. Le match est lancé et le championnat également. David Salanon a perdu quelques précieuses secondes dans un tête-à-queue, mais au terme de la première étape, il occupe la troisième place du rallye. Je dirais que dans la première, j'ai surconduit au début, j'ai fait une petite faute à 10 km/h, j'ai tiré le frein à main un peu trop fort, donc on a fait tête-à-queue et puis on a perdu à la caméra 34 secondes, soi-disant. On est à 30 à l'arrivée. Après, dans la deuxième, j'ai dit bon, on va essayer de complètement s'enlever la première spéciale de la tête et puis de rouler. Donc dans la deuxième, on est tous dans la même seconde à 6-7 dixièmes, donc c'était bien. Et dans la super spéciale, on a roulé. Bon, c'est une super spéciale, mais c'est vrai que le frein à main, on l'a pas manqué là cette fois. Donc à l'arrivée, c'était bien. C'est la spéciale spectacle autour de Gerland qui clôture cette première journée de compétition du Lyon Charbonnière. Public record avec 1100 mètres à parcourir à fond pour la plus grande joie du nombreux public présent. Une occasion de voir de près les ténors du championnat de France en action. Le trophée Michelin fait de nouveau partie intégrante du championnat. Une aide précieuse pour les nombreux pilotes amateurs qui comptent beaucoup sur les primes distribuées par le manufacturier français. Nantais abandonne dès le début du rallye. La lutte dans le Michelin, à l'image de la saison à venir, tournera à un duel Moffray-Rouillard. C'est la Toyota de Patrick Rouillard qui signe les premiers temps scratch avec la Celica. C'est bien parti. Mais bon, le rallye est encore très long, donc il va falloir attaquer tout le temps de toute façon, parce que vu les furieux qu'il y a derrière moi, j'ai pas trop le choix. Mais je suis content parce que la voiture va bien. Les trois Peugeot WRC sont logiquement en tête, avec comme premier tiercé Henri, Kuok et Salanon. Le duo Henri-Kuok n'étant séparé que d'une petite seconde. Pour un retour, c'est bien, on a vraiment fait deux vols spéciales. Bagarre avec les 307, mais bon, il fallait s'y attendre. On est vraiment satisfait de rentrer ce soir en tête. Ça s'est bien passé dans les spéciales. On est là ce soir. Bon, il n'y a pas de gros écarts. Et puis, ça promet une belle journée pour demain, une belle bagarre. Face aux nouvelles Fiat Punto Super 2000, la Clio R3 de Cédric Robert occupe une prometteuse 8e place pour sa première sortie sur l'asphalte, avec des sensations retrouvées pour le Stéphanois. Je me crois dans la Super 1600, donc ça c'est déjà une bonne chose pour moi et le plaisir que je peux avoir dans la voiture. Et puis en termes de performance, on est 8e au scratch, au milieu des 2 litres maxi, on va dire. Donc non, je suis très satisfait, très très content. Il faut faire progresser encore la voiture parce que c'est son premier rallye sur asphalte. Mais déjà la base est super bonne, donc pour l'avenir, ça commence à avoir le sourire. Le plus matinal de cette journée se nomme David Salanon. Dès la reprise, le duel Salanon-Kuok repart de plus belle. Le pilote de la Loire devant celui de l'Ardèche avec un écart infime, 9 dixièmes de seconde. Le perdant de cette quatrième spéciale, c'est Patrick Henry. Henry perd 18 secondes après un tête-à-queue. Delecour prend de plus en plus la mesure de la Porsche. En tête du GT, Delecour est aussi 8e au classement général. Le championnat débute bien avec une grosse affluence le long des routes du Rhône. Pour preuve, la 5e spéciale de Marchand-Saint-Cyr, un endroit que Kuok n'est pas prêt d'oublier. Kuok ne peut relancer sa 307, l'Ardéchois doit renoncer malgré l'aide des spectateurs. Poussez. Qu'est-ce qui se passe? Salanon en profite pour signer un nouveau temps scratch. Le nouveau pilote Yako est de plus en plus à l'aise avec sa Peugeot WRC et endosse le rôle d'outsider. Certes, rien de grave encore pour Henri, qui ne perd que 4 dixièmes de seconde et garde 11 secondes d'avance.
Il reste 7 spéciales, rien n'est joué, mais le droit à l'erreur est interdit. Dernière assistance avant la spéciale de Tizi. Patrick Henry reprend les choses en main sur les 14 km de Saint-Apollinaire. Il ajoute 2 secondes à son capital par rapport à Salanon. C'est Patrick Rouillard qui mène dans le trophée Michelin. Mais en plus, il s'installe sur la 3e marche du podium. La Toyota devance les 2 Peugeot de Maraval et Maufray. Éric Maufray qui découvre sa nouvelle monture et améliore au fil des spéciales. Après l'abandon de Kuok, deuxième rebondissement en fin de matinée avec la pénalité infligée à Patrick Henry suite à un retard au dernier contrôle horaire. Une erreur inhabituelle de Magali Lombard, la copilote de Patrick Henry. On prend 2 minutes de pénalité tout à l'heure, on pointe en retard. Bon, une erreur de calcul, donc c'est comme ça, ça arrive hein, malheureusement. Mais c'est quand même dur parce qu'elles sont tellement dures à gagner les secondes qu'en donner 20 comme ça. Mais bon, ça fait partie de la course, c'est comme ça. Hein. On va essayer de tout donner cet après-midi pour remonter. Du coup, c'est peut-être l'opportunité rêvée pour David Salanon. Oui, tout à fait. On se trouve vraiment rapproché de Patrick à une seconde. Moi, j'ai fait une erreur hier sur un frein à main dans la première spéciale. Bon, aujourd'hui, ils viennent de prendre 20 secondes de pénalité. C'est les choses de la course, ça arrive. C'est pas là que je joue une course. Nous, le but, c'est surtout de continuer à apprendre la voiture, à se familiariser avec tous les appuis de la voiture et puis surtout la vitesse, parce que tout ça change par rapport à la 206. Et puis après, ben, on verra par rapport à Patrick. Mais c'est vrai qu'on est vraiment déjà agréablement surpris de se trouver à son contact. Car Patrick, on sait, sa vitesse de pointe n'est plus approuvée et ça fait très plaisir. Régulièrement dans les 6 meilleurs temps scratch, Delecourt prouve, s'il en était besoin, que son légendaire coup de volant est intact. Delecourt prend du plaisir au volant de la Porsche et ça se voit. La pénalité infligée à Patrick Henry sera mise en application à l'issue de la 10e spéciale. Un scratch signé par Salanon, ce qui place le pilote BSA en tête du rallye pour 7 secondes. Décidément, la première manche du championnat de France des rallyes ne pouvait rêver d'un meilleur scénario. Henry et Salanon se partageront les derniers temps scratch. 2 pour Salanon, 1 pour Henry au final. Patrick Henry doit s'incliner pour 10 secondes. Autant dire que la pénalité de 20 secondes est dure à digérer. Ce matin, je fais un tête à queue dans la première spéciale 500 mètres après le départ. Et puis après, Mag se trompe dans notre temps imparti pour aller pointer. Donc on prend 20 secondes de pénalité, on pointe 2 minutes en retard. Donc c'est sûr que ça fait rager, mais bon, ça arrive. Hein. Ça fait partie du sport. Et puis David a très bien roulé. Donc nous, on a pris en main notre voiture. C'est vrai qu'on aurait aimé gagner. Ça fait 2-3 fois qu'on fait deuxième à Lyon. Mais bon, c'est la course encore une fois. On a bien roulé, on a fait des temps sympas. Ce qu'il faut, c'est progresser sur la voiture et qu'on puisse gagner les suivants. Le vice-champion du monde 93 n'a pas raté son retour sur les routes du championnat de France. Associé pour la première fois à Mélanie Ronfort et à la Porsche 996 GT3, François Delecourt remporte le groupe GT et prend la 6e place au classement général. Le trophée Michelin sera dominé par Patrick Rouillard devant Éric Maufray et Jacques Maraval. Patrick Rouillard qui en prime s'offre un podium au classement général de ce Lyon-Charbonnière du beau travail. Ouais, très bon rallye, on commence l'année comme on l'a fini par un podium scratch et une victoire au trophée Michelin. C'est vraiment génial, vu le plateau qu'il y avait au départ, on n'y croyait vraiment pas du tout. On se disait comment on va faire pour entrer dans les 10 premiers. Au Michelin, on se disait les 306, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis finalement, les 306, on les a tenus en écart. Et vraiment, la voiture est géniale. Cet hiver, j'ai bien travaillé, la voiture va très bien. Et on n'a pas fait d'erreur, la voiture n'a pas une égratignure. Et vraiment, on est très performant parce que là, on n'est pas très loin des WRC sur certaines spéciales. Donc vivement le prochain, quoi. Premier rallye au volant de la Peugeot WRC, première victoire en championnat de France pour David Salanon. Présenté comme l'outsider du début de saison,
le voilà propulsé, leader du championnat de France. Contrat rempli pour le successeur de Bengué et Bouillouse dans le team Yako BSA. Comme je l'avais dit, on s'attendait vraiment à pas être tout de suite dans le tempo, hein, ce qui était normal. Moi, c'est la première fois que je roulais avec une WRC de pointe. Et c'est vrai que hier soir, bon, avec ce demi-tour, on était quand même dans le coup dans les autres épreuves chronométrées. Donc on a dit, on va voir demain. Et dans les deux premières de ce matin, là, par contre, on s'est dit, ça sera significatif. Et là, on était devant. Alors là, on a commencé à dire, c'est sympa. Bon, il faut pas s'emballer, il faut continuer à prendre la voiture. Et puis voilà, et au fil du rallye, on a vu que de plus en plus, c'était jouable parce qu'on ne s'était pas fixé. Et quand j'ai vu qu'à deux spéciales de la fin, on avait un pécule de 7,5, j'ai dit, il faut tenter quand même. On est si proche d'une victoire en championnat. Pour moi, qui vient du milieu de la Coupe de France, c'est magique aujourd'hui ce qui nous arrive. Ouais. C'est à Épinal que se déroulait la deuxième manche du championnat de France des rallyes. David Salanon, vainqueur surprise du Lyon Charbonnière, endosse le maillot jaune sur sa Peugeot 307 WRC jaune et verte. L'euphorie de la victoire est passée. Concentration maintenant sur l'Alsace-Vosges. C'est un conte de fées. La victoire au Charbon a été quelque chose d'exceptionnel et restera inoubliable dans ma carrière sportive. Au jour d'aujourd'hui, il faut se reconcentrer sur l'Alsace. On s'est reconcentré depuis le début de la semaine, depuis les reconnaissances. Mais le favori de cette épreuve est bel et bien Patrick Henry. Le pilote Transalliance est pratiquement à domicile et son partenaire est de la région. On a le rôle de favori. On est dans la région de mon partenaire. On va surtout souligner ça et puis on essaiera de faire du mieux possible. Rallye assez difficile dans l'ensemble si c'est sec. Si ça se met à déconner un petit peu la météo, ça sera, je pense, un des rallyes les plus difficiles du championnat. Dans le trio des 307 WRC, le malchanceux de la première épreuve, Jean-Marie Cuoc, rêve évidemment de revanche. Le clan des 307 WRC s'élargit avec la venue de Danny Snobeck, de retour dans la région. Ah, si vous étiez venu il y a 30 ans, vous m'auriez vu ici, puisque je suis nancéen, je suis né à Nancy. Donc, mais quand on se pourrait se penser, j'avais jamais fait ni le Lorraine, ni l'Alsace, pas de rallye ici, puisque j'étais surtout circuit. Mais effectivement, après le Var, j'avais mis dans ma petite tête, justement pris de plaisir à ce rallye, que l'Alsace, c'est pas très loin de Dijon, c'est un très beau rallye, c'est vraiment un rallye difficile. Donc voilà, j'ai décidé de venir voir mes petits copains puis de me faire plaisir en même temps, comme d'habitude. Autre nouveauté, ou plutôt surprise, la présence de Benoît Rousselot, de retour en championnat de France sur la superbe Peugeot 207 S2000. Effectivement, déjà moi je suis le premier surpris à revenir sur les routes d'Alsace, parce qu'il y a encore 3 semaines, c'était absolument pas prévu. Et puis c'est grâce à mes amis de l'équipe BSA, qui ont besoin de cultiver un petit peu leur information qu'ils ont sur la nouvelle 207 Super 2000. C'est une très très belle auto, mais elle est encore pas affinée, je dirais, comme ils le souhaitent. Et donc ils ont envie de faire un rallye test grandeur nature pour prendre un maximum d'informations de cette nouvelle 207. Donc Jean-Manuel Beuzelin a pensé à moi et je leur remercie vivement de me donner cette opportunité. Et baptême du feu pour la nouvelle Suzuki Rally Cup FFSA. 25 Suzuki Swift au départ, avec comme favori l'ancien espoir échappement, Johan Bonato. À Épinal, le régional de l'étape, c'est Éric Maufray. Il vise la victoire dans le trophée Michelin, mais Patrick Rouillard a montré à Lyon toute sa détermination cette saison. Le Spinalien est prévenu et compte réagir à la maison. Mise en bouche à l'heure de l'apéritif avec la première spéciale spectacle sur le Champ de Mars d'Épinal. Ces spéciales très courtes font désormais partie intégrante du championnat de France des rallyes et remportent un immense succès populaire. Ce qui n'est pas pour déplaire à Patrick Henry, impérial sur ses 2 km 400. A l'inverse, Jean-Marie Cuoc déteste ce genre de terrain. Il perd dès la première soirée 5 secondes 7 sur Henry. C'est David Salanon qui s'en sort le mieux, en limitant à 3 secondes 8 l'écart avec le leader du rallye. Dans le groupe GT, le duel reprend de plus belle entre les porschistes Gilles Nantais et François Delecourt. Nantais est bien
bien décidé à prendre sa revanche. Ça commence bien, il relègue à 3 secondes l'ex-vice-champion du monde qui pense toujours au public dans cette spéciale urbaine. Le match des S2000 est à l'avantage des Fiat dans cette première spéciale. Jérôme Grosséjanin sur la Punto devance la 207 Rousselot. Samedi matin, 9h, le col de la Charbonnière, des routes glissantes et piégeuses. Patrick Henry s'est levé du pied droit, celui de l'accélérateur. Il devance David Salanon qui découvre la spéciale, tout comme Jean-Marie Curc, 3e, à plus de 5 secondes. Allez, gauche 4, 80 mètres, gauche à fond, restez corde, allez, gauche à fond, restez corde, 40 mètres, droite 6 à fond, absolu, restez corde, 40 mètres, gauche 4 juste, 40 mètres, droite 6, très bon à fond, absolu, droite 6, très bon à fond, absolu, 60 mètres, gauche frais, fini 40 mètres, épingle droite 2, 40 mètres. Gauche à fond, allez, gauche à fond, 60 mètres. Dans le trophée Michelin, le match est lancé. Maufray et Rouillard jouent au chat et à la souris. Difficile de dire qui dévorera l'autre. La Toyota Celica signe l'étang scratch dans le col de la Charbonnière et dans Moyen Moutier. La Peugeot 306 Maxi réplique dans Ormont-Ortemont. Moins de 3 secondes séparent les deux hommes forts du Michelin. La bagarre est rude avec Patrick, c'est à coup de seconde et il ne faut pas faire une erreur, donc bien rester dans la course. On se tient, il n'y a pas un qui fait un gros écart, donc c'est vraiment intéressant d'avoir une bagarre comme ça à la seconde. Non, je suis satisfait, la voiture va bien, j'ai fait des réglages là, sur la dernière spéciale qui me conviennent mieux, donc je pense que on va remettre des pneus neufs et là ça devrait aller mieux, quoi. Pas de surprise à l'arrivée de la première assistance de Saint-Dié, les trois Peugeot 307 WRC occupent les trois premières places. David Salanon assure sur ce terrain piégeux, le pilote Tiaco est troisième. Bon, le bilan de la première étape, je dirais qu'il est très très positif, à part deux épingles où on perd 25 secondes. Une dans Charbonnière où on perd 5, et puis là, la fameuse épingle et la célèbre de Chatas où on perd 20 secondes, obligé de faire marche arrière. Et c'est vrai que quand on regarde les temps à la fin, on aurait été très 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 bien. Après avoir occupé la tête lors des deux premières spéciales, Patrick Henry cède sa place à Jean-Marie Curc. Le chassé croisé ne fait que commencer. On est au cap de la mi-journée et ça se passe pas trop mal. On fait deux meilleurs temps sur trois. On est repassé en tête de peu, mais c'est bien parce qu'on n'est pas largué. C'est vrai que pour une première participation, c'est un peu chaud, quoi. Ça va très vite par endroits. Il y a des cordes qu'il faut prendre, des cordes qu'il faut pas prendre. Et ça fait beaucoup de choses à assimiler en même temps. Et pour un premier passage, on est satisfait. Deuxième, 4 secondes derrière Jean-Marie. La bagarre est lancée, donc c'est bien. Ce matin, on a pris un petit peu dans Moyen Moutier. Donc il nous met un petit peu. Dans la grande, il nous met une seconde. On cale à l'épingle, c'est dommage parce qu'on aurait fait un temps correct. Donc il y a encore un tour dans la grande et puis la journée n'est pas finie, c'est encore long. Côté GT, Gilles Nantais devance François Delecourt, handicapé par de multiples coupures moteur qui pénalisent le nordiste. Nantais est toujours aussi rapide, très rapide même dans la cinquième spéciale. Il signe un remarquable quatrième chrono. Dennis Nebeck tente de dompter la 307, mais sur les terribles routes de l'Alsace-Vosges, la bête est rebelle. Seul après l'abandon des deux Fiat Super 2000 sur sortie de route, Benoît Rousselot poursuit la mise au point de la Peugeot Super 2000. Le facétieux pilote de la 207 commence à s'habituer à sa nouvelle monture et les chronos tombent. Le col de la Charbonnière, comme si vous y étiez. Magali et Patrick nous accueillent chez eux. Parfait. Droite 115 plus corde. Pour tard, gauche 75 cordes, laissez sortir. Sur gauche à fond corde, sur long droite 80. Dans cette spéciale rapide et technique, Patrick Henry reprend l'avantage sur Jean-Marie Curc avec 5 secondes d'avance. Le pilote Transalliance attaque et ça se voit. Ouvre les jets droite à fond. Pour troisième bit extérieur, le droit de 85 tourne, pas corde, ni long. Et maison extérieure tard, gauche 95 corde. Tard. Plusieurs sorties de route obligeront la direction de course à annuler la 7e spéciale pour rattraper le retard. C'est donc dans le deuxième passage de la spéciale d'Épinal que la première place au terme de la première étape du rallye va se jouer.
De nouveau, l'ex-pistard Patrick Henry domine Jean-Marie Cuoq. Belle bagarre toute la journée. Une petite erreur dans la grande où on tire le frein à main et je cale, donc je perds une ou deux secondes. Mais bon, voilà quoi, ça fait partie de la course et demain, encore une belle journée demain. 3 secondes d'avance à l'issue de cette première étape, même si c'est l'entente cordiale entre les deux pilotes, l'Ardéchois n'a pas dit son dernier mot. Le leader a changé, encore dans la super spéciale, il rechange, c'est lui qui reprend la tête. Ouais, non, c'était une journée sympa. Chacun a eu ses petits problèmes, ses petites difficultés. Patrick, visiblement, avait fait des choix de pneus aussi un petit peu audacieux, nous aussi. Donc, tout ça mélangé, bah, ça a fait des écarts par moment, enfin, qui s'expliquent certainement un petit peu. Mais bon, au final, on repart presque avec les compteurs comme hier soir, quoi. Si Cuoq chute en ville, ça l'annonce pique. Toujours ce problème d'épingle pour le pilote Iacco. C'est pénalisé sur deux épingles, je l'ai dit toute la journée. Première fois que je viens en Alsace et mes objectifs étaient surtout d'arriver. Bon, bah, c'est toujours l'objectif reste toujours prioritaire, mais c'est de voir qu'on est si près dans les spéciales, c'est vraiment encourageant pour la suite où on optimisera la voiture sur des épreuves qu'on connaît. Le Michelin est toujours aussi animé et sympathique. Rouillard et Maufray. Patrick Rouillard a pris un petit avantage, accentué dans l'ultime spéciale de la journée. Mais tout reste à faire pour la victoire. En tout cas, vu l'état de fatigue des deux pilotes, une chose est sûre, ils ne se sont pas ménagés. Ouais, très dur, très long, je suis assez fatigué. Une bonne nuit de sommeil, j'espère que ça fera du bien. Donc là, la journée se termine bien. On a remis un petit peu de temps dans la spéciale en ville à Eric. C'est des étapes difficiles et d'autant plus difficiles qu'on a rencontré des conditions très, très dures, les spéciales sales. Et c'est vrai qu'avec la 306, ça n'était pas une partie de plaisir pour poursuivre le rythme de Patrick avec sa 4 roues motrices où il était quand même plus à l'aise que nous sur ces routes-là. Une bonne nuit de sommeil et ça repart. Gauche à fond sur 380 coupé. 380 coupé. 40 mètres gauche sans bon coupé. Sans bon coupé. Sur droite 110. Sur gauche 110 bref coupé. Sur droite 60. 60. Pour gauche 110 bref. Sur droite 110. Sur gauche 120 bref pas corde. Sur attention droite 70 ballot. 70 ballot. Pour gauche 120 bref après la bosse. Pour attention. C'est Maufray qui est auteur du meilleur réveil et du meilleur temps dans le Michelin. Il prend 10 secondes à Rouillard et repasse en tête du trophée. Pour le scratch, c'est encore mieux. Patrick Henry remporte la 9e spéciale et Jean-Marie Cuoq frappe fort dans la terrible spéciale de Corcieux. On fait les comptes et on sort les calculettes. Attention, 1/10 de seconde sépare désormais les deux pilotes du jamais vu. Si le rallye était fini, 1/10, ça suffit amplement. Maintenant, ce qui est toujours bien, comme la journée d'hier, c'est que c'est un coup à lui, un coup à nous. Ce que j'espère, c'est qu'à la fin, ça sera un coup à nous. C'est vrai que très très serré, un écart ce matin, vraiment couteau. Donc là, on repart pour un tour. Donc c'est sûr, adversaire coriace, mais bon, c'est vraiment une très très belle bagarre. En GT, après le retrait de Delecourt sur problème mécanique, Gilles Nantais assure sa victoire et une 3e place au trophée Michelin. Snobeck pulse, mais perdra du temps dans Corcieux. Rousselot fait des merveilles avec la Super 2000. Fantastique finale. Dernière spéciale du rallye, Henry dispose de 3/10 d'avance sur Cuoq. Le pilote de l'Ardèche remporte l'ultime spéciale de Corcieux et gagne l'Alsace-Vosges pour 3 secondes. David Salanon, 3e, termine à plus de 2 minutes, mais il a beaucoup appris et surtout, il reste leader du championnat avec Patrick Henry. Aujourd'hui, on est en tête du championnat de France. Moi qui est novice quand même par rapport aux deux devants, que ce soit Jean-Marie ou à Patrick, je pense que même eux, ils ne s'attendaient pas qu'on soit en tête du championnat encore ce soir. Donc vraiment, c'est très bien. Et j'ai roulé avec Céline, on a roulé avec la tête depuis hier soir. J'ai vraiment pas roulé aujourd'hui. J'ai validé. On ne sait pas de quoi sera fait l'année prochaine, mais j'ai appris l'Alsace. Et c'est vrai que si on avait à refaire l'Alsace, ça serait beaucoup mieux. En Michelin, Maufray et Rouillard étaient à égalité avant le dernier chrono. Rouillard crève dans la dernière spéciale et Maufray gagne.
c'est vrai que Patrick, lui, a essayé d'attaquer un tout petit peu plus et ça n'a pas marché. Voilà, mais c'est la course. En tous les cas, c'était une bagarre difficile. Patrick n'a jamais rien lâché, moi non plus. Et voilà, il ne fallait pas craquer. Eric Moffret est un pilote de grand talent et je suis vraiment content qu'on soit bagarré ensemble comme ça sur ce rallye, qui est un rallye chez lui. Et dans la spéciale de Tendon, on a roulé au-delà du raisonnable. Il nous met 2 dixièmes. Il y a des fois, je me demande comment on fait pour aller aussi vite avec ces voitures. Mais bon, belle bagarre et vraiment, bon, il mérite sa victoire. On aurait pu gagner nous aussi, je pense qu'on l'aurait mérité tous les deux. Au classement scratch, première victoire de la saison pour Jean-Marie Cuoc et David Marty sur la Peugeot 307 WRC. Autour de Limoges, les pilotes du rallye du Limousin sont prêts à en découdre pour la troisième manche du championnat de France. Dernier vainqueur en date, Jean-Marie Cuoc aborde le Limousin en terre connue. Je l'aborde, je dirais, avec un petit peu d'impatience, parce qu'on avait le Lyon Charbonnière, on n'avait pas participé depuis 2002, l'Alsace, on n'avait jamais participé, donc ici on était là l'année dernière, et à partir de ce rallye, on a fait tous les rallyes jusqu'au Cévennes, donc j'attendais un petit peu ce rallye avec impatience, donc sereinement, je dirais, ce que j'aimerais, c'est que la météo soit plutôt sèche, on va dire, maintenant on va voir. Perdant pour 3 secondes le rallye Alsace-Vosges, Patrick Henry espère bien prendre sa revanche et décrocher son premier succès de la saison. Ils ont gagné chacune une. On verra bien, hein. Le rallye n'a encore pas commencé. Et puis en 2005, ça nous a bien souri. On avait gagné face à Nicolas Bernardi, donc c'est vrai qu'on a hâte de remettre ça. Mais on est en 2007 et puis autre concurrent, autre voiture, donc on a vraiment hâte de bien figurer. Révélation de ce début de championnat, David Salanon aborde cette troisième manche sereinement, avec l'ambition de bien faire. On va essayer de faire un joli rallye, un beau rallye, et puis surtout toujours une course quand même intelligente, hein, si vraiment on se rend compte que par rapport au peu de connaissances, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on a une grosse connaissance, au peu de connaissances, au cas où on arrivait à être distancé, on reprendrait une course intelligente et sage pour surtout être à l'arrivée, et il faut faire forme de régularité cette année en championnat de France. Le trophée Michelin connaît un succès grandissant à Limoges. 28 concurrents sont inscrits. Pour la petite histoire, c'est Gilles Nanté qui a gagné les 2 pneumatiques offerts par le manufacturier lors de chaque week-end de course. Nanté qui retrouvera François Delecourt sur la superbe Porsche dans le groupe GT. Pour le Michelin, la lutte est attendue entre Éric Moffret et Patrick Rouillard. Bon, à chaque fois que je m'inscris en rallye, de toute façon l'objectif c'est de gagner. Maintenant, après, la bagarre décidera du résultat. Mais bon, je pense qu'on va repartir sur une bagarre avec Eric, avec, je pense, d'autres pilotes qui risquent de venir se mêler à la bagarre, comme bon, Jacques Maraval, Bobulic, Delanou, enfin, peut-être j'en oublie, mais il y a plus de bagarres, je pense, en perspective. Mais enfin, nous, on va essayer d'être devant tout le monde, quoi. On va encore en découdre avec Patrick Rouillard sur tout le week-end. Je dirais quand même le tracé est en tous les cas bien propice à la 306 et la deux roues motrices. Il y a très peu de relances sur les spéciales, c'est-à-dire que c'est de longues spéciales avec très peu de changements de direction, donc qui fait que là où la 4 roues motrices peut être un petit peu avantagée par rapport à notre 2 roues motrices, cet avantage est un peu gommé. Et l'avantage que l'on a en plus, comme il y a des courbes très rapides, la 306 étant plus légère que la Toyota, donc il est clair que bah, on devrait être sur le papier en tous les cas un peu mieux. Maintenant, je m'attends à tout avec Patrick. Ici, les kit cars sont un peu avantagés, il n'y a pas trop de relance. Maintenant, moi j'adore le rapide, hein. Plus ça va vite et mieux je suis, donc Eric, attention, ça va se battre. Présent également la Coupe Peugeot 206 et la nouvelle Suzuki Rally Cup FFSA, sous les yeux de Bernard Béguin et du nouveau président de la FFSA, Nicolas Deschaux, qui donne le départ de ce rallye. Deux spéciales composent la première étape de Neuvic-Châteauneuf, longue de 10 km, et Saint-Armand-Saint-Julien de 20 km. Nouvelle spéciale, et le meilleur élève s'appelle David Salanon. Le pilote Iaco signe les 2 premiers temps scratch de ce rallye, confirmant son remarquable début de saison et sa place de co-leader du championnat. Je dirais que les épreuves qu'on vient de faire, c'est du nouveau pour tout le monde. Donc voilà, nous qui arrivons dans le championnat et qui sommes des novices de pas mal d'épreuves spéciales, là on était plus à égalité que sur d'autres épreuves.
Mais je dirais qu'on a, on a bien roulé, on s'est appliqué. Sur certains morceaux, ça aurait pu être mieux. Sur certains autres morceaux, il ne fallait pas mieux en rajouter. Donc, dans l'ensemble, globalement, c'était bien. On a roulé une bonne cadence. Et c'est vrai qu'on se retrouve, on est dans les temps, on est avec eux. Donc c'est bien. Derrière le leader, les deux autres Peugeot 307 WRC ne ménagent pas leur effort. Sensation garantie, c'est parti avec un comparatif en images, Henri Kuok. 3, 2, 1, partez. Gauche 95 plus pas corde. Sur droite 85 tombe de piquet. Pour gauche 115 corde ouvre à fond sur bosse à fond. Pour cuvette gauche 120 corde. Pour léger gauche à fond sur bosse, 40 mètres. Frein de gauche 95, bref, de piquet. Gauche 120 plus grosse corde sur bosse et 50 mètres. Frein à droite 40, vraiment pas corde, étroit paille. Vraiment étroit paille. Il ouvre sur bosse à fond. Sur gauche 115, long, petite corde. Sur le droite 85 plus, petite corde, bref, ici. Patrick Henry suit à la seconde place, mais le pilote Transalliance se plaint de quelques problèmes mécaniques sur la 307. La température d'eau au moteur qui s'est mis en route dans les deux spéciales. On a roulé vite, essayé de freiner tard et tout. Et puis après, la voiture, elle tirait plus. Elle s'est mise en mode sécurité. Et puis voilà, après, c'est revenu à la fin. Mais bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on verra tout à l'heure l'assistance. Retour avec nos deux compagnes navigatrices. Avantage Céline, qui a fait le break sur Magali. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis pour le deuxième tour. Et après, non, je pense qu'on a un très bon rythme. Donc, on va essayer de le soutenir et d'aller encore un peu plus forcé. Et puis, on verra bien, quoi. On est parti sur un bon rythme. On a fait la spéciale sur le même rythme. On a bien roulé, tranquillement. Du côté de Jean-Marie Kuok, troisième, le pilote de l'Ardèche n'est pas satisfait de son début de rallye. Ouais, bah, une première boucle pour se mettre dans le rythme. Dans le rythme qu'on a, on n'a pas dû trop trouver parce qu'on n'est pas, on n'est pas très bien en temps. Bon, dans la voiture, ça va à peu près. C'est, je dirais que j'essaie de rouler à peu près sur le même rythme de l'Alsace. Voilà, mais bon, satisfait quand même. Maintenant, un peu déçu par les écarts, hein, parce que bon, on est trois à se battre pour la première place. Troisième est synonyme de dernier. Coup de théâtre dès le début de ce rallye région Limousin. Même si Eric Moffret signe le meilleur temps dans la première spéciale. La 306 Maxi reste posée sur un talus et perd très gros. Sur un freinage dans du gravier, la voiture est partie en tête à queue et elle a terminé dans le talus avec le ski posé sur le talus. Donc les roues ne touchaient plus, il a fallu la pousser. Il n'y a pas de spectateurs, donc le temps qu'on bataille et que Gaëtan arrive un petit peu à bouger l'auto, ben on a perdu 1 minute 20. C'est Gall sur l'autre 306 Maxi qui prend la seconde place du Michelin devant Maraval. En tête, Patrick Rouillard, débarrassé de Moffret, domine les débats. Départ de la deuxième étape et nouveau passage dans Neuvic-Châteauneuf. Cette fois, Jean-Marie Kuok retrouve toutes ses sensations et signe le meilleur temps devant ses compères Henri et Salano. On est maintenant au départ de la quatrième spéciale, plus familière du Limousin, Saint-Amand-Saint-Julien. David Salanon et Céline Combonde occupent toujours la première place, mais Patrick Henry et Jean-Marie Kuok grappillent quelques secondes. Dans cette quatrième spéciale, Salanon n'est qu'à une seconde du duo Henry Kuok. Patrick et Jean-Marie nous refont le coup de l'Alsace-Vosges sur la spéciale de 20 km. Un dixième sépare les deux Peugeot, avantage Kuok. Histoire de bien montrer qu'il entend
défendre sa position dans la spéciale McDonald Masléon Saint-Denis, Salanon ne prend même pas le temps de s'arrêter au McDrive et signe le meilleur temps. En catégorie GT, rien ne va plus pour François Delecour. Déjà handicapé par des problèmes mécaniques, le moteur de la Porsche rend l'âme à la fin de la quatrième spéciale. C'est Gilles Nantais sur l'Allemande numéro 8 qui domine la catégorie et régale toujours les spectateurs du Limousin. Éric Maufray, déchaîné, aligne les temps scratch dans le trophée Michelin. Gall et Maraval commencent à sentir le danger. Pas de soucis par contre pour Patrick Rouillard, si ce n'est quelques petites coupures moteur. Succès populaire pour la spéciale Ville de Limoges autour du centre d'Esther. Depuis le Lyon-Charbon en passant par l'Alsace-Vosges, on sait que ce type de parcours n'a qu'un seul vainqueur, Patrick Henry. Rebelote sur les 2 km 340, Henry reprend 3 secondes à David Salanon et 5 secondes à Jean-Marie Cuoq, toujours en froid avec ce genre de tracé. Ouais, un petit peu déçu d'arriver à faire les meilleurs temps dans les deuxièmes passages et puis dans les premiers passages d'être vraiment largué. Mais bon, ça va quoi. Demain, on connaît les spéciales, on les a faites en course l'année dernière. Donc j'espère que je serai moins handicapé par ma méconnaissance du terrain. Je trouve, enfin, c'est très surprenant, les spéciales ne se sont pas faites et avoir des si gros écarts entre le premier et le deuxième passage, c'est surprenant. David roule vite devant, et à Jean-Marie, donc c'est vraiment une bagarre à trois ce coup-ci, donc ça promet demain une belle journée sur les spéciales qu'on a roulé la dernière, les trois. On reste plein d'humilité, demain sera un jour nouveau. Quoi qu'il arrive demain, déjà on a fait 50%, on a fait du bon boulot sur la première étape, donc on a fait la moitié du boulot. Après, on verra, la course est encore longue demain, c'est la grosse étape, mais c'est vrai qu'avec Céline, on est vraiment très très content. On ne se prend pas la tête, comme je dis toujours, et on est là, donc c'est bien. Au niveau de l'applaudimètre, c'est Cédric Robert qui gagne, avec comme de coutume, une attaque très généreuse avec la Clio R3. Oui, c'est bien, surtout que la voiture, bon, c'est son troisième rallye sur l'asphalte, donc elle a une grosse marge de progression encore. Non, mais on est satisfait parce qu'on roule bien, on est dans notre objectif dans les 10 premiers. Et puis voilà, et puis si le groupe R existait, ben on sera en tête. Donc vivement les années futures pour que ce groupe existe et puis que la Clio soit reine de la catégorie. Troisième étape, deuxième journée, départ de l'Ubersac Benayès avec Cédric Robert. Le pilote de la Clio R3 a régalé le public la veille au soir, lors de la spéciale spectacle, et il montre de nouveau tout son sens de l'attaque au volant de la R3, qui n'est pas loin de rentrer dans le top 10 du rallye. Une matinée marquée, c'est à la mode, par une vague bleue, la couleur d'Henri. La Peugeot numéro 2 va rafler les trois temps scratch de ce samedi matin. Bon réveil de Patrick et Magali qui prennent le commandement du rallye. On s'est très bien réveillé ce matin et c'est vrai que ça s'est bien passé ce matin par rapport à hier où on a un petit peu galéré. On a un bon rythme et on est en forme. David Salanon continue à maintenir le rythme, même si Henri est passé devant, il maintient Jean-Marie Cuoq à distance. Pour Céline, le rôle de compagne copilote devient primordial en cette fin de rallye. David étant très anxieux, il met la pression par son anxiété. Donc si, il faut faire, faut toujours bien gérer. Voilà, il va falloir que les notes tombent pile comme il faut, garder un bon rythme dans la spéciale et ça devrait pouvoir faire quelque chose. Troisième, mais à plus de 40 secondes, Jean-Marie Cuoq ne lâche rien, mais a du mal à comprendre le comportement de sa voiture. Les explications, je dirais que pas une très bonne osmose avec la voiture. Une petite faute dans la grande spéciale, on avait misé un petit peu sur la grande spéciale, et puis malheureusement au bout de,
d'un kilomètre, je fais un tête-à-queue, je me trouve en travers de la route, je suis obligé d'aller faire demi-tour un peu plus loin, repartir. Donc c'est un peu dommage parce que je comptais sur ce spécial pour essayer de raccrocher aux avant-postes, mais bon, tant pis, quoi, on en repère un peu sur ce grand spécial, c'est dommage. Gilles Nantais est seul au monde en GT après le retrait de Delecourt, mais il a trouvé un nouveau camarade de jeu en la personne de Pascal Enjolras. Petite lutte très sympathique entre la Porsche GT et la 206 Super 1600 du Montpellierin. Un match pour la 10e place du général. Le parcours est peut-être pas tout à fait adapté à la voiture, parce que une GT, c'est quand même mieux quand c'est un peu large type Charbot, avec beaucoup de relances et beaucoup de trajectoires. Là, c'est très très étroit en fin de compte, en sous-bois, avec beaucoup de bosses, donc c'est pas évident. Je me bats pour rester sur la route, mais je me fais vraiment plaisir. Un slogan pourrait résumer le trophée Michelin, mot frais et déchaîné. Il prend la 3e place à Maraval et menace Ludovic Gall. Mais dans l'ultime spécial avant le regroupement de Pompadour, c'est un autre Ludovic qui se met en avant. Ludovic Gros, héros local, avec le 4e chrono de la 9e spéciale. Bravo! On vient de faire le 4e chrono de la spéciale, on a bien roulé, on a été aussi les premiers surpris. On s'est fait plaisir tout au long de cette grande spéciale de 36 km, qui était assez difficile, pas de baisse de rythme, et puis ça a marché. Le leader du trophée Michelin, c'est toujours Patrick Rouillard, mais le pilote Toyota a bien failli tout perdre dans cette spéciale. Explication et démonstration. Malheureusement, dans la grande spéciale, on s'est retrouvé sans frein vers la fin de spéciale. On est sorti dans un champ, on a tapé un peu la voiture. 300 mètres. En chaud. Ouais, on est presque arrivé. Gauche 120, ferme, en deux fois, ferme sur droite, 70 bon. Oh putain. Sur droite, putain. Ah putain, mais j'ai pas de frein. Sur droite, 70 bon. On perd, je dirais, entre 25 et 30 secondes. C'est dommage. Bon, il va falloir réattaquer pour les trois dernières. Donc, c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon, on n'a plus le choix. Tout peut arriver, quoi. Je veux dire, une erreur comme ça. Enfin, c'est même pas une erreur. C'est que, bon, sans frein, c'est difficile de s'arrêter. Et on s'en sort bien, quand même. Toyota, c'est un vrai char d'assaut. Hein. Superbe cadre pour le regroupement du rallye au sein du parc du château de Pompadour. Pour le plaisir, car on n'a pas tous les jours l'occasion de monter dans une Porsche. Dernière partie de ce Limousin avec Gilles Nantais. Pour panneau gauche, 110 ferme. Dans droite, 90 ferme dur. Attention, 80 et 3 ponts. Dans fondu gauche, 40. Ouvre à fond. Nantais va terminer à une brillante 6e place, accompagnée de la 3e position au trophée Michelin. Un trophée marqué par une fin de course à rebondissement. Jacques Maraval abandonne, tout comme Ludovic Gros. Mais le plus grand bouleversement interviendra au milieu de l'ultime spécial lorsque la Toyota de Patrick Rouillard prendra feu. Début d'incendie apparemment provoqué par un problème de réservoir d'essence. Maufray, qui était à pratiquement 2 minutes derrière Rouillard en début de rallye, va gagner le Michelin devant le sociétaire de la Zalac, Olivier Marty, comme quoi il ne faut jamais rien lâcher. Oui, c'est vrai, c'est ce que je dis toujours et j'ai le mérite d'y croire jusqu'au bout. Dans le dernier chrono, on est parti, on a remis des pneus neufs et il y avait 40 secondes d'écart avec moi et Patrick et on s'est dit on sait jamais, moi j'ai bien roulé. Malheureusement Patrick, il lui est arrivé ce que vous savez et heureusement pour moi, je l'ai pas vu du tout, donc ça m'a et je pense que si je l'avais vu, ça m'aurait déconcentré. La spéciale était difficile à terminer parce que longue, il faisait chaud. Et j'ai moi-même eu du mal à la terminer. Alors si en plus j'avais vu Patrick arrêter au bord de la route, peut-être j'aurais fait une bêtise parce que ça aurait été difficile de rester concentré jusqu'au bout. Un qui ne lâche jamais rien, c'est Jean-Marie Cuoc, le champion de France des rallyes terre, tente le tout pour le tout. Deux temps scratch en fin d'épreuve, mais un tête-à-queue auparavant empêche l'Ardéchois de faire mieux que troisième. On est à la 3e place, c'est notre place. On ne pouvait pas espérer mieux ce week-end, on n'a pas été bon. Leader en début de course, David Salanon a confirmé son potentiel et se maintient en haut de l'affiche au niveau du championnat de France. Il faudra bel et bien compter avec le pilote Yako cette saison. On a fait une très bonne deuxième étape et je dirais une très 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 bonne première étape, ce qui nous positionne deuxième. On était premier hier, mais on n'a aucun regret puisque Patrick a très bien roulé. Nous, on a su gérer quand il fallait, la voiture est là, on revient, trois rallyes, trois arrivées. Donc on est vraiment entièrement satisfait. Ouais. Salanon et Cuoc avaient gagné une épreuve. C'est maintenant chose faite pour Patrick Henry et Magali Lombard. Bonne opération pour Henry qui prend la tête
du championnat de France. Ouais, c'est vrai qu'on l'attendait avec impatience. On aurait pu y croire à l'Alsace, mais c'est au Limousin, comme en 2005, première victoire de la saison. Donc c'est vraiment super sympa. Une victoire chacun. Donc le match est relancé. Vivement le Rouergue. Départ devant la cathédrale de Rodez pour cette 34e édition de ce Rouergue Aveyron Midi-Pyrénées. C'est Patrick Henry qui porte le numéro 1 sur sa Peugeot 307 WRC. Le pilote de chez Bozian arrive en leader pour cette 4e manche de la saison. Étant donné qu'on a gagné le Limousin, on est sur un bon élan, donc on veut essayer de bien figurer ce rallye du Rouergue qu'on a remporté en 2005. Donc là, c'est autre année, autre voiture, et puis pour mon partenaire, donc ça serait vraiment une belle option sur le championnat. Premier vainqueur de la saison au Lyon Charbonnière, David Salanon confirme son potentiel rallye après rallye et le pilote BSA reste serein. C'est vrai que l'apprentissage s'est vite fait puisque, comme on dit, les boommakers ne nous avaient pas pronostiqué vainqueur à Lyon. On remporte à Lyon, donc après on veut toujours mieux. Mais il faut quand même rester bien la tête sur les épaules et on sait qu'on a deux pilotes très expérimentés devant nous. Si on est troisième, c'est notre place par rapport à l'expérience qu'on a. C'est vrai qu'on a le même matériel, mais bon, l'expérience du terrain, moi pour moi, est un facteur très important. Après un abandon en début de saison et un rallye du Limousin en demi-teinte, le double champion de France des rallyes terre n'a plus le droit à l'erreur. Ici, on a à cœur de bien figurer et puis dans l'optique des deux championnats, on est obligé de gagner ici. Brice Tirabassi a pris possession de sa Peugeot 207 Super 2000 et retrouve l'ambiance du championnat de France. Première spéciale dans Cassagne-Aurillac. Patrick Henry et David Salanon se remettent dans le rythme alors que Jean-Marie Cuoc attaque dès le départ. L'Ardéchois signe le meilleur chrono devant ses compères et rajoute encore quelques secondes dans la deuxième spéciale. David Salanon réplique dans le Cassagne et revient à 8 secondes du leader. C'est vraiment parti sur un rythme très très élevé. Je crois que c'est la première fois que ça part aussi vite. Mais surtout, je dirais que par rapport au temps qui était de référence de Nicolas Vouilloz, là, ça a été vraiment battu et rebattu, puisque dans la donnée spéciale, on est 15 secondes plus vite. Donc c'est des gros écarts. Donc ça veut dire que ça n'a pas amusé le terrain. Hein. Patrick Henry accuse un retard de plus de 22 secondes. Pourtant très proche de Magali Lombard, à la vie comme dans la voiture, la communication passe mal en ce début de course. Ils ont roulé vite devant, on a fait un petit peu d'erreur, on est embêté avec les casques radio, il a fallu qu'on change en roulant, donc c'est jamais bon. Et puis j'ai fait une ou deux erreurs, freiner un petit peu tard, tirer le frein à main enfin, pour s'arrêter et tout, donc c'est jamais trop bon. Pour Jean-Marie Cuoc, tout va bien. Il rejoint Rodez en tête avec 3 temps scratch sur 4 et un copilote David Marty très motivé. Droite 4 ou 5 à fond, allez, droite 4 ou 5 à fond, 50 mètres. Gauche 7 à fond absolu et 50 mètres garage. Droite 7 à fond, sur gauche à fond. Et 60 mètres carrefour, épingle gauche 2. Juste sale, léger gravier. Juste sale. Allez, sale ça là. Allez. 10 mètres. Allez, droite à fond. Allez, droite à fond. 40 mètres, droite 4 à fond. 20 mètres gauche 2, vite, pleine corde. 30 mètres, droite 2, très très vite. 50 mètres gauche 2, vite, fini 10 mètres carrefour. Longue droite de juste, longue droite de juste. 50 mètres, gauche à fond absolu en deux fois. Allez. Dans le trophée Michelin, Éric Maufray domine avec la Peugeot 306 face à un Patrick Rouillard déjà tout heureux d'avoir remis en état sa Toyota après le Limousin. La semaine prochaine, nous reviendrons en détail sur cette lutte dans trajectoire avec un spécial trophée Michelin. Le champion de France 2002 est à la peine en ce début de course. Lui aussi a du mal à entendre Fabrice Gordon, son copilote. Nous, on a juste un problème de liaison radio. La voiture fait beaucoup de bruit à l'intérieur et du coup, j'entends pas du tout. Donc vraiment, dans les spéciales, on galère parce que c'est hyper difficile de rouler en entendant une note sur toi. Vous connaissez l'expression « avoir la banane ». Eh bien, le pilote le plus heureux de ce Rouergue, c'est Jean-Michel Dacuna. À domicile, ce jeune pilote prometteur découvre la Toyota Celica WRC de Paul Bizalion. Sixième après ce début de rallye, pas vraiment une surprise. C'est ni une surprise,
C'est ni une déception, loin de là, au contraire, je pense, pour moi c'est une satisfaction, mais c'est pas une grosse surprise non plus, parce qu'on espère toujours faire quelque chose quand même. Deuxième étape, Patrick Henry a réglé ses petits problèmes d'intercom et signe son premier temps scratch du rallye dans la cinquième spéciale. David Salanon montre qu'il a bien l'intention de jouer lui aussi la victoire. Il devance Kuok et Henry dans Rignac-Rivière. Dans cette même spéciale, Kuok rencontre une première alerte. Il touche une bonne de paille, rien de grave. Mais dans la septième spéciale, le leader du rallye va taper légèrement mais suffisamment pour abandonner dans un rallye du Rouergue qui ne veut pas lui sourire. Pourtant, nous étions le 7-07-2007 dans la septième spéciale avec un pilote qui représente le département numéro 7 de l'Ardèche. Comme quoi, ce n'était pas un jour de chance pour tout le monde. Ça allait pas trop mal, on roulait bien. Et puis j'ai bloqué les roues, le temps de relâcher et tout. Puis le virage est arrivé. Et il a manqué 2-3 mètres. Quoi. Et on est sorti, ça a cassé une rotule. Bon, la voiture a pas de mal, ça a juste cassé une rotule, mais on n'a pas pu repartir. J'ai reculé, je suis allé me garer 100 mètres plus loin. Et puis voilà, quoi, donc c'est l'abandon. Dans le clan des GT, le duel Nantais-Delecourt est somptueux. Nantais signe les premiers temps scratch et prend tous les risques. Après un début de course difficile, François Delecourt remonte et le vice-champion du monde en personne rend un bel hommage à son adversaire. Ah mais Nantais, c'est un grand pilote. C'est probablement un pilote qui est passé à côté d'une grande carrière, à mon avis, parce qu'il n'a pas eu la chance, pas l'opportunité. Mais c'est un pilote, en tout cas, qui méritait peut-être lui aussi d'être professionnel à un moment donné. Mais c'est comme ça, c'est le sort. Dans le dernier trajectoire consacré au rallye terre de Diwa, Cédric Robert nous avait annoncé un beau duel avec son compère Guillaume Canivant. Le pilote Peugeot devance la Clio R3 et oblige le vice-champion de France à attaquer. On part ce matin avec 9 de retard, donc on a fait 3 belles spéciales. Et voilà, mais ça va être chaud, il faut continuer à attaquer et les routes vont commencer à fondre. Donc l'expérience va être importante sur ce tour-ci. Ouais. Malheureusement, Cédric perdra son camarade de jeu dans la 8e spéciale, moteur cassé pour la Peugeot. David Salanon aborde donc la spéciale très populaire de Moirazès en leader. Le pilote Yako s'applique, mais il ne peut baisser le rythme, car derrière lui, Patrick Henry attaque et termine la seconde étape avec un retard de moins de 20 secondes. Avec deux longues spéciales le lendemain, tout est encore possible. Une analyse partagée par le pilote de la Loire. On va pas crier victoire, on en est loin, très 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 loin. Je dirais que 19 secondes, c'est pas un gros capital par rapport aux longueurs des épreuves demain. Donc maintenant, on va essayer de bien se reposer ce soir et puis surtout d'aborder très, très sereinement l'épreuve de demain et puis en essayant de rouler tout de suite dès la première spéciale. Dimanche matin, la première surprise vient du ciel. Des averses ont envahi la région Midi-Pyrénées. Même si cela se calme avant le départ de la 11e spéciale, les routes sont très glissantes. Patrick Henry a décidé de sa tactique. Elle est simple, ça passe ou ça casse. Et ça passe, 10 secondes de repris en deux spéciales. Le pilote Transalliance revient à moins de 10 secondes de Salanon. Puis, ça casse. Dans la 12e spéciale, Patrick et Magali sortent de la route. Rien de grave pour l'équipage et une seconde victoire s'échappe. Même si le duel n'a pas eu lieu, le spectacle offert par l'ensemble des concurrents de ce trophée Michelin a été superbe. Après avoir eu chaud à l'extérieur, c'est sous le capot que la Toyota a eu quelques chaleurs. Cette seconde place est donc une satisfaction pour Patrick Rouillard. Ouais, c'est un rallye. Déjà, je suis vraiment content d'être là parce que je ne croyais pas y arriver. Vendredi soir, avec les soucis qu'on avait de chauffe et de moteur, on s'est dit que ça ne pourra pas tenir avec la chaleur qu'il faisait. Et puis finalement, on a mis de l'eau, on a diminué de l'eau, on a fait que ça. On a dû mettre 20 litres d'eau dans le moteur sur tout le rallye. C'est énorme, quoi. Et le moteur a tenu. On arrive à faire des temps corrects. Mais bon, on n'a pas pris beaucoup de plaisir en pilotage parce que bon, on ne pouvait pas se battre avec Eric, on avait de l'avance sur Marty. Bon, c'est comme ça. Mais enfin bon, c'est une troisième place qui nous fait du bien et surtout qui nous remet un peu de baume au cœur pour repartir sur la fin de saison. Eric Maufray voulait une victoire sans appel. C'est fait, mission accomplie, du beau travail pour Eric Maufray et Gaëtan Houssin. Oui, c'était notre objectif avec Gaëtan. On s'était dit il fallait vraiment qu'on gagne une course, pas sur des faits de course comme ça s'est pu se passer sur les manches précédentes.
Et bon, on voulait un peu montrer qui était le patron. Et donc c'est ce qu'on a, on a fait magnifiquement, puisqu'on a pris une avance dès le début. Et ensuite on a contrôlé et géré la course tout au long. Et voilà, c'est ce que je voulais faire en tous les cas. Et je pense que c'est réussi. Olivier Marty complète le podium du Michelin avec une superbe course au volant de sa Clio. Mais la performance de cette dernière journée reviendra à la Citroën C2 Super 1600 de marque Amourette. Amourette remonte à la 7e place du général avec en prime quelques chronos d'anthologie, notamment le 3e temps scratch dans l'ultime spécial. On a monté le rythme au fil du rallye, on a travaillé sur les réglages de la voiture, j'étais de plus en plus en confiance et c'est vrai qu'on termine sur un 3e temps scratch, c'est fabuleux, on remplace Gilles Nantais et donc pour nous c'est vraiment une belle journée. Dacuna a peut-être vécu son plus beau souvenir de sa jeune carrière automobile. Appliqué et talentueux, il ramène la Toyota WRC à la maison avec une 6e place. Oui, tout à fait, on en gardera un souvenir énorme. Il n'y a pas de mots pour l'exprimer, franchement, ouais. Henri, Cuoc et Salanon avaient chacun une victoire avant ce rendez-vous en Aveyron Midi-Pyrénées. C'est donc David Salanon qui a pris l'avantage au score et au championnat de France. De quoi passer de bonnes vacances. On a bien géré avec Céline, on n'est pas parti à la faute. J'ai mis des coups quand il fallait mettre des coups. Quand je parle des coups, j'ai frappé des coups dans des spéciales. Et bon, ben voilà, ça s'est concrétisé par une victoire. C'est vrai que je déplore que Patrick et Magali s'arrêtent dans l'avant-dernière, puisqu'on était parti pour une belle bagarre pour les deux dernières spéciales. Mais bon, c'est la loi du sport, ils ont rien tous les deux et c'est ça le principal. Laza avait organisé une spéciale spectacle de démonstration en ville. Succès populaire garanti et images spectaculaires. Direction Morzine avec les retrouvailles entre David Salanon, Patrick Henry et Jean-Marie Cuoc. Les trois pilotes des Peugeot 307 WRC arrivent dans cet ordre dans cette deuxième partie de saison. Ambiance et réaction avant le départ, après des vacances bien méritées. C'est vrai qu'on n'a pris qu'une petite semaine de vacances, les vraies vacances. Bon, après le Rouergue, on a vraiment savouré. Se retrouver là, à ce niveau du championnat à mi-saison, c'est vrai que c'est inespéré, mais on reste toujours très lucide, hein, comme je l'ai dit après chaque course. Hein. Oui, j'avais dit que celui qui gagnerait le rallye passerait de bonnes vacances, mais bon, du coup, on n'en a pas pris. Donc on a très bien travaillé pour pouvoir prendre des jours pour partir au rallye. On arrive ici, bon... On n'a pas couru depuis le rallye Terre de Langres, donc on a eu pas mal de temps pour se préparer. Je dirais qu'on arrive bien préparé, reposé après les vacances, donc on va bien voir. Leader du trophée Michelin, Éric Maufray est aussi un postulant au titre de champion de France 2007. Surtout qu'il disputera à Morzine son 15e rallye du Mont-Blanc. Mais le pilote de la 306 Maxi reste serein. Je reste bien fixé et sur mon objectif qui est avant tout le trophée Michelin. Et puis tout le reste, ça sera que du bonus. C'est vrai que par le biais des différents prétendants au titre, on se retrouve très bien placé du fait de notre régularité dans notre classe. Mais c'est vrai que je sais pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est vrai que ça fait plaisir d'être deuxième du championnat, mais ce n'est pas notre objectif. On reste concentré sur le trophée pour l'instant. Du beau monde au départ avec 171 partants dans 12 WRC. C'est la spéciale des Alpes du Léman, longue de 26 km, qui ouvre les hostilités de ce 59e rallye du Mont-Blanc. David Salanon et Céline Combronde, leader du championnat, ouvrent la route avec le numéro 1. Derrière lui, c'est Patrick Henry, associé à Magali Lombard, qui prennent le départ. Patrick Henry réalise le premier temps scratch du rallye. Le pilote Transalliance devance de 3 secondes David Salanon. Le pilote Siaco se défend bien sur un parcours qu'il découvre et se place devant Jean-Marie Cuoc. L'Ardéchois n'est pas encore au maximum et lui aussi perd un peu plus de 3 secondes. 3 secondes 8 pour être précis dans cette spéciale. Le duel Patrick Couillard-Éric Maufray est lancé dans le trophée Michelin avec le premier scratch pour la Peugeot. Mais attention au régional Ludovic Gall, très rapide, est bien décidé à jouer les troubles faites au sein de ce Michelin. Dans le cœur des Super 2000, pas de réussite pour Olivier Marty, qui n'aura pas le temps de juger sa Punto abandon dans la première spéciale moteur cassé. L'ordre sera identique dans la spéciale suivante. Patrick Henry donne le rythme et signe un nouveau temps scratch.
Suite à des éboulements récents, la spéciale de la Vernaz a été annulée. C'est donc après deux spéciales victorieuses que Patrick Henry rejoint Morzine en leader. Bah ouais, c'est vrai que ça a bien démarré. Hein. Après notre sortie du Rouergue, on pensait avoir un petit peu d'a priori, une mise en jambe et puis non, tout de suite d'entrer dans le coup avec Jean-Marie et David. Donc voilà, c'est plutôt rassurant, avec pas d'essai avant le rallye, donc c'est pas mal quoi. David Salanon est un élève studieux. Pour cette rentrée, le pilote de Montrond-les-Bains ne perd qu'une seconde et 7 dixièmes et conforte sa seconde place. Tout se passe bien pour le leader du championnat de France. Oui, bah, tout à fait, ça s'est très très bien passé. Comme je disais, le premier passage c'était pour valider les notes. Les notes ont été très bien validées. On n'a pas eu de surprise dans les deux spéciales, donc ça veut dire que les recours avaient été bien faites. On a laissé quelques petits centièmes de seconde dans certains virages dans les spéciales, mais bon, ça c'est obligé. Hein. Il fallait passer au moins une fois parce que rien ne remplace le passage de course. Pour Kuok, rien de catastrophique, mais le champion de France des rallyes terre perd 5 secondes sur Patrick Henry. Ouais, on est parti, on va dire tranquillement. On n'a pas, fait d'écart, au contraire, c'est nos petits copains qui ont fait des écarts, donc ça c'est pas terrible. Donc là maintenant, va falloir rouler parce qu'on concède un peu de temps, c'est pas grave, mais faut pas continuer dans ce bois-là parce qu'après, si on prend trop, on pourra jamais revenir. La pause déjeuner ne change pas la hiérarchie établie. Les passages d'Anjou Verte, puis Grand Taillé, permettent à Patrick Henry de signer un troisième, puis un quatrième temps scratch. David Salanon reste au contact. Après 5 épreuves, la 307 BSA n'est qu'à 6 secondes de celle de Bozion. Par contre, Jean-Marie Kuok doit réagir. Il accuse un retard de 15 secondes sur l'homme de tête. Dans le trophée Michelin, Patrick Rouillard compte bien stopper la domination de Moffret. La Toyota possède 15 secondes d'avance sur la Peugeot. Et attention également à Ludovic Gall qui remonte à coups de seconde. Mais la fin de journée et surtout le début de la première soirée sera entièrement en faveur de Jean-Marie Kuok. La Peugeot numéro 3 aligne 6 temps scratch. Grand Taillé, Vinzier, Morillon, Samoins, Jouverte seront à mettre à l'actif de Kuok. L'Ardéchois retrouve les bonnes sensations et les bons réglages. Le voilà leader du rallye au soir de la première étape. Ça va, je roule et je m'amuse, donc c'est bien quoi. Et en plus ça fait des temps sympas, donc c'est bien. Parce que le matin je subissais vraiment et je pouvais vraiment pas aller plus vite, c'était impossible. Et si j'avais essayé d'aller un peu plus vite, ça se serait mal terminé. Patrick Henry se retrouve en deuxième position, mais tout près de Kuok. Le pilote Transalliance n'accuse que 6 secondes de retard. La seconde étape s'annonce animée. Ouais, c'est vrai que Jean-Marie a très bien roulé dans les deux spéciales. Nous, un petit peu hésitant dans la dernière, avec le brouillard et les phares, je me suis un peu mélangé les crayons. Et puis, on avait fait le choix de ne pas partir en pneu neuf. Donc, contrairement à eux, et on le paye un petit peu, quoi. Le grand perdant de la soirée se nomme David Salanon. Pourtant appliqué, régulier et rapide, Salanon perd 26 secondes. Explication de l'intéressé, pas très content. Moi j'enlève ces 28 secondes parce que pour moi c'est pas ça le rallye. Moi j'ai demandé au commissaire une minute pour que ma copilote se sangle, pour qu'on parte dans les bonnes conditions de sécurité. Donc maintenant j'attends leur retour, voir ce qui va se passer au PC. C'est Jean-Marie Kuok qui ouvre la route samedi matin. Kuok contrôle la situation dans la 12e spéciale. Il signe le deuxième temps à seulement 9 dixièmes de seconde derrière David Salanon déchaîné de bon matin. Le pilote Yako a du mal à oublier sa mésaventure de la veille et se venge de la meilleure façon possible en réalisant son deuxième temps scratch du rallye. Malheureusement, dans la courte épreuve de Morillon, Salanon effectue une sortie. Rien de grave, mais beaucoup de temps perdu. Il cède 47 secondes, tout espoir de victoire s'envole définitivement. Jean-Marie Kuok continue à attaquer et prouve sur ces images que le rallye du Mont-Blanc comporte des passages très rapides. Il rejoint le regroupement de Morzine avec 11 secondes d'avance sur Patrick Henry. Rien n'est joué. Patrick Henry continue à y croire. Il reprend une seconde dans la 13e spéciale à l'homme de tête, à 3 spéciales de la fin. La 307 Transalliance accuse un retard de 10 secondes. Tout est encore possible.
Mais l'exploit de la matinée est signé Ludovic Gall. Sur ses terres, le pilote de la 306 Maxi signe le troisième temps et prend la première place du Michelin devant Patrick Crouillard, victime d'un tête-à-queue. La fin de ce Mont Blanc est fantastique dans le trophée Michelin. Les meilleurs temps changent de main au fil des spéciales. Gall dans la 13. Puis Rouillard dans la 14. Au regroupement de Cluses, Ludovic Gall devance Éric Maufret. C'est une très très belle journée. Ce matin, on est parti sur un très bon rythme. On ne pensait vraiment pas pouvoir garder ce rythme aujourd'hui. On se bat avec les ténors, c'est vraiment appréciable et on espère aller au bout encore jusqu'à la fin. C'est des garçons qui connaissent bien leur voiture. On n'a rien à faire, même si on finit troisième, ça sera une belle performance quand même. Beaucoup de monde dans la spéciale de Rome, c'est normal, tous les chemins y mènent. Et un nouveau temps scratch pour l'honneur de David Salanon. Bah, cette journée, à part Morillon où on s'est posé tout à l'heure et on perd 50 secondes, je dirais qu'elle est dans la lignée d'hier. Je dirais qu'on a augmenté le rythme aujourd'hui dès ce matin et pour l'instant on a fait 3 scratchs sur 4, donc c'est bien et ça laisse beaucoup de regrets, mais bon. Patrick Henry attaque, mais rien à faire. Il perd 2 secondes sur ses 15 km. Bah, tout est rattrapable, hein. Il reste 2 gros morceaux, on va tout donner et puis on verra bien, on s'est battu dans les deux dernières, là, un coup lui, un coup moi, 2 secondes. Ce matin un petit souci d'embrayage, c'est dommage parce que ça aurait pu bien démarrer, mais bon c'est la course, c'est comme ça et allez, on va encore essayer dans les deux prochaines. Après le regroupement de Cluses, il ne reste plus que 2 spéciales, soit 38 km, avant une seconde victoire de Jean-Marie Cuoq. Dans le trophée Michelin, Patrick Rouillard, déchaîné, reprend le commandement et signe la victoire devant Éric Maufret qui passe Ludovic Gall dans la dernière spéciale suite à un tête-à-queue du Savoyard. On a tout retardé, les freinages, passé à fond à des endroits où on ne passait pas à fond, dans les cordes, on dépasse les limites du raisonnable quand même et ça passe, tant mieux, mais il ne faut pas que nos femmes nous voient rouler comme ça parce que sinon on va vraiment avoir peur. Quoi. Super bagarre, une course, autant d'émotions qu'en Alsace, même plus à l'arrivée, là j'ai un peu craqué parce que j'attendais les temps des autres. Quand on est derrière, enfin devant, on n'a pas les temps, et on, voilà, mais bon, c'est passé et voilà, maintenant le championnat est un peu relancé. Ben on va monter au Touquet, hein. Maintenant on n'a pas le choix. Et voilà. Mais la bagarre va être dure, je pense, jusqu'à la fin. Je pense que la dernière spéciale du Var sera peut-être décisive. Donc à l'attaque. Au général, Salanon termine 3e avec toujours une grosse déception en tête. Je pourrais être déçu de moi, mais si j'avais fait des fautes, et je pense que j'en ai pas fait du rallye. Et la déception, elle s'est arrêtée dans Morillon hier soir, suite à une décision, je trouve, très, très litigieuse. Bon. Enfin basta, sinon point de vue positif, on a fait une très belle course, on fait 4 temps scratch, je compte Morillon parce que je le compte hier pour moi personnellement, et puis on fait au moins autant de deuxième place, donc pour une découverte du rallye du Mont-Blanc, je pense que c'est pas mal d'être dans le tempo des deux premiers, de Patrick et de Jean-Marie. Patrick Henry, à la recherche des bons réglages tout au long du week-end, doit se contenter de la seconde place. Lui aussi reste un prétendant à la couronne 2007. On s'est quand même bien battu, mais voilà quoi, donc deuxième ici. C'est quand même mieux que le dernier résultat parce qu'on était sorti. Donc voilà, mais le championnat n'est pas fini et on a hâte d'être au Touquet. Jean-Marie Cuoq prouve en signant les 2 derniers temps scratch du rallye qu'il était bien le plus rapide autour de Morzine. 6 meilleurs temps contre 5 à Henry et 3 à Salanon. Voilà le duo Cuoq-Marty relancé dans la course au titre. Oui, enfin, c'est vrai qu'après un Limousin difficile, un Rouergue qui se passait bien, où j'ai tout gâché, là, ça fait vraiment très, 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 très plaisir. D'autant que hier, après les 3-4 premières spéciales, j'avais vraiment le moral dans les baskets et mon équipe m'a remotivé, le copilote et tout. Il y en avait besoin parce que j'y croyais même plus. Quoi, voilà. La fin de saison s'annonce passionnante avec 4 pilotes en bagarre pour le titre sur les 3 derniers rallyes. Éric Maufret, qui a récupéré une 2e place au sein du trophée Michelin, réalise une bonne opération face à Patrick Rouillard, avec en cadeau bonus la première place du championnat de France. Pour le Michelin, je limite les dégâts puisque Patrick ne me reprend que 2 points. Il a quand même une victoire de plus. Et j'ai bien peur qu'en fin de saison, ça joue sur le nombre de victoires, donc il ne faut rien lâcher. Et il ne fallait surtout pas que je sois au-delà de la 2e place, en tous les cas. Et maintenant, effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est on vient de prendre la tête du championnat. Donc ça permettra de dormir tranquille ce soir.
Si Jean-Marie Guyoc reste leader du championnat de France Terre, par contre dans le championnat de France des rallyes, il n'a plus le droit à l'erreur. L'Ardéchois débarque sur les plages du Touquet avec deux victoires à son actif, mais aussi deux abandons. Par contre, il connaît bien ce rallye puisqu'il a tout simplement remporté l'édition 2006 avec la Peugeot 307 WRC. C'est la première fois où je me présente avec l'expérience de l'année d'avant sur la même voiture en WRC et en plus avec une victoire. Donc psychologiquement, c'est pas trop mal. Maintenant, bon, on remet les compteurs à zéro, on repart. Puis vu que ça va être un Touquet un peu fidèle à sa réputation, ça va être très difficile. Patrick Henry n'était pas présent l'an passé, mais a déjà roulé au Touquet avec de belles performances au scratch ou en formule de promotion. Oui, c'est vrai que ça m'a toujours plutôt pas mal réussi. Des belles bagarres en formule de promotion et puis des routes assez difficiles, assez piégeuses. Dommage qu'on ne l'a pas fait l'année dernière parce que par rapport à il y a deux ans, il y a pas mal de changements. Mais bon, après, les routes restent quand même toutes à peu près le même revêtement, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc c'est quand même une particularité, mais connue, quoi. Pour David Salanon, ce sera le baptême du feu ou de la pluie, selon la météo annoncée. Ouais, j'ai découvert ça en reconnaissance, je dirais vraiment c'est un rallye atypique, hein. On peut même pas se calquer sur une autre épreuve pour prendre nos points de repère. Donc on va adopter une course, une cadence sage, je pense, c'est ce qu'il faut adopter sur un rallye comme ça. J'ai mon bon conseiller qui sont Benoît et Alex Benguet qui m'ont dit vraiment qu'il fallait rester prudent sur ce rallye-là et on verra, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grippe déjà quand c'est sec. Moi qui travaille quand même dans les revêtements, je sais ce qu'il en est, donc il faut vraiment faire très très attention, même avec une 4 roues motrices, puis avec ce qui est tombé depuis 3 jours, donc on va faire attention. Mais le leader actuel de ce championnat de France est bien Éric Maufray, avec sa Peugeot 306 Maxi. Alors, rêve-t-il de ce titre tous les matins en se rasant ? Non, ça ne me fait pas rêver, mais ça me réjouit tous les matins quand je me réveille. Ouais, quand je pense à ça, c'est toujours une bonne position. C'est vrai que ce n'est pas notre objectif de l'année, mais bon, par le biais de nos bonnes performances, on se retrouve donc en tête du championnat à ce moment de la saison. Et c'est vrai que on va pas bouder le plaisir. Maufray a raison de se concentrer sur le trophée Michelin, car Patrick Rouillat remonte et sa Toyota Celica dispose de 4 roues motrices, un avantage sur ses routes du Pas-de-Calais. Oui, sur certaines portions, on sera certainement avantagé. Maintenant, c'est tellement piégeux que même avec une 4 roues, nous, on a le poids en plus qui, sur certaines portions, peuvent nous gêner parce que si ça glisse, la voiture, elle est beaucoup plus lourde, donc elle a plus d'inertie. Donc, mais c'est sûr que si c'est gramouillé dans les relents, c'est sûr qu'une 4 roues, on est beaucoup mieux. Maintenant, bon, j'attends les premières spéciales pour voir un petit peu justement si ça se vérifie. Sur le podium du départ, le gagnant à l'applaudimètre était François Delecourt, le vice-champion du monde des rallyes, retourné sur ses terres. Deux spéciales sont au programme de cette première étape de nuit, Camier et Le Touquet. Jean-Marie Cuoc, malgré sa conjonctivite, semble avoir bon pied, bon œil. Il signe le meilleur temps dans la première spéciale. Le voilà au départ de la seconde, volant en main pour Jean-Marie et carnet de notes en main pour son copilote, David Marty. Le champion de France des rallyes terre est le plus à l'aise sur ses routes et de nouveau, il devance les autres pilotes des 307 WRC. A commencer par Patrick Henry, le pilote Transalliance, limite tout d'abord les dégâts dans Camier en ne concédant que 3 secondes sur Cuoc. Droite à fond corde et 100 mètres au premier bec. Attention, chicane, serre à droite, à gauche droite 50. Sur léger gauche et droite à fond corde. Mais il perd 15 secondes dans la spéciale suivante, après un tout droit. C'est vrai que bon, on est tombé dans le premier piège, on s'est posé dans un champ, donc voilà quoi, c'est le Touquet. Même sanction pour le pilote Yako. Par deux fois, David Salanon se fait surprendre. L'apprentissage n'est pas simple, premier avertissement sans frais pour le pilote de la Loire. On a fait un tout droit dans la première où on perd une dizaine de secondes, qu'on cale, et puis dans la deuxième, on va dans un pré. Donc on perd une trentaine de secondes à peu près, puisqu'après on ne savait pas si on avait un souci sur la voiture. Donc voilà, donc c'était rapide, rien sur la voiture, donc c'était un avertissement sans frais. Donc bon, maintenant on va continuer à rouler, mais très 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 piégeux. Derrière, c'est une belle bagarre qui s'engage, notamment dans le trophée Michelin, où la perf de la soirée est à mettre à l'actif d'Olivier Marty.
Au volant de la Fiat Super 2000, il devance Rouillard et Moffret et s'installe en quatrième position du rallye. Premier retour, le long des plages du Touquet, avec Jean-Marie Cuoc en tête. Pour lui, les conditions dantesques de cette première boucle font partie du rallye. Cuoc leader, Cuoc heureux. Pour moi, c'est un rallye où c'est vraiment du rallye, parce qu'il y a certains rallyes asphalte où, quand c'est sec, il n'y a pas d'improvisation. C'est propre, on sait où on met les roues, on sait où faut freiner, on sait où faut tourner, on sait où ça glisse, on sait où ça glisse pas. Et là, justement, on ne sait pas tout ça. Donc, il y a plus place à l'improvisation et ça me plaît mieux. Ambiance matinale au départ de la seconde étape. Au programme, 6 spéciales avec toujours des conditions météo difficiles. C'est Cuoc qui ouvre le bal dans la troisième spéciale, la Voie du Nord. Mais c'est Patrick Henry qui signe le meilleur temps, montrant à l'Ardéchois que rien n'est joué dans ce Touquet. David Salanon reste prudent. L'objectif est de rallier sans dégâts le Touquet ce soir. Bilan, un troisième chrono à 9 secondes d'Henry. Si le héros local François Delecourt renonce, sur raison personnelle, José Barbara ravit ses fans. Au volant de la Subaru, le couple Barbara, José et Chantal prouvent qu'à 60 ans passés, on peut garder la même passion du rallye, mais surtout le même coup de volant. Après un troisième temps scratch la veille, les nordistes occupent une brillante 8e place. Les voisins belges, eux aussi, s'illustrent sur les routes du Pas-de-Calais. Claudie Tang et sa Toyota Talon, Patrick Rouillard. Quant à Chris Prinsen, il s'offre un mano à mano de toute beauté avec Cédric Robert. Les deux pilotes des Clio R3 se suivent, mais au terme de la deuxième étape, le Belge devance le Français. Dans le trophée Michelin, Olivier Marty continue son récital. Par contre, les 306 Maxi, avec leurs deux roues motrices, sont à la peine avec Ludovic Gall et Éric Moffret, troisième du Michelin. Le mot de la journée est de nouveau « difficulté ». Mais le mot plaisir revient aussi dans les paroles des pilotes. La preuve, avec Jean-Marie Cuoc et Patrick Henry, respectivement premier et second. C'est un rallye que j'aime bien parce que y a pas mal de pièges, c'est assez difficile. Il faut se reconcentrer à chaque virage, le grip est différent un peu partout. Donc si j'aime bien, je me régale et il y a des chronos un peu longs, c'est sympa. Quand c'est du rapide et tout, ça roule quand même. C'est un terrain, on le sait, hein, très piégeux et faut en tenir compte. Donc dans la voiture, des fois, c'est vrai que sur les freinages, certains freinages, on se dit j'espère que ça va arrêter. Les dernières spéciales de la journée confirmeront le classement actuel. De nouveau, temps scratch pour Jean-Marie Cuoc dans la 6 et la 7, puis une réplique d'Henri dans la 8. Olivier Marty impressionne toujours, il tient bon, en tête du Michelin. Léger droite à fond, léger à fond sur frein 35 mètres, long droite 60 pourri. Frein 35 mètres, long 60 pourri. 100 mètres. 100 mètres. Droite 60 ferme, ferme. Pour gauche 72 moins. Le jeune Lyonnais reste lucide, mais pour le moment, il tient au bout de son volant le meilleur résultat d'une Super 2000. On a fait que la moitié du rallye, hein. Demain il y a une grosse journée encore. Donc on va essayer de continuer dans la lancée, et si ça peut le faire jusqu'à l'arrivée, ça sera génial. Patrick Rouillard aimerait bien récupérer cette première place du Michelin, importante pour la fin de saison. Mais avant de dépasser Marty, le premier challenge pour Rouillard est de garder la voiture sur la route. Oui, déjà, il faut se battre avec la voiture et essayer de la garder sur la route, ce qui n'est pas facile, parce que vraiment, ça a l'air de la peur. Là, on est en 6, la voiture nous échappe sur des goudrons qui changent d'adhérence très souvent. C'est vraiment pas évident. Et bon, là, Olivier, il est devant, on peut pas aller chercher. Je pense que la voiture est mieux adaptée à ce style de terrain. On n'arrive pas à passer la puissance, nous. On accélère, mais ça patine, il y a trop de couples. José Barbara rajeunit de spécial en spécial. Il rentre à la maison en 7e position devant Éric Moffret. Pour rester jeune, il faut envoyer. Donc on est bien, on est 7e là. On n'est pas trop loin de les 2-3 devant. Bon, on va essayer de remonter un peu demain. Cuoc, Henry et Salanon, c'est donc le tiercé du samedi soir avant les 4 longues spéciales du dimanche matin. Si pour Jean-Marie Cuoc, le pied droit a l'air de bien fonctionner, comment va l'œil gauche? On va dire que mon œil m'a laissé à peu près tranquille. C'est vrai qu'à part un peu dans
Dans les grandes spéciales ou sur la fin, avec la transpiration, c'est un petit peu difficile, mais on va dire que ça a été à peu près. Donc journée correcte, si demain l'œil va un petit peu mieux, ça serait bien. Dernière journée du rallye du Touquet et retour d'un temps clément. Pour preuve, on a chaussé les slicks. Échange de politesse entre Henri et Kuok. Jean-Marie reprend 15 secondes dans la 9 après une erreur de Patrick qui réduit de 6 secondes son retard dans la suivante. Pneus slick, mais toujours des pièges et des routes par endroits glissantes. La preuve avec David Salanon et Céline Combronde. Olivier Marty est toujours là, la Fiat respire la santé et le pilote de la Super 2000 ne commet pas la moindre erreur. Marc Amourette se met lui aussi en valeur. Depuis le début du rallye, le pilote de la Citroën C2 se montre à son avantage. Le coup de volant de Marc place la C2 Super 1600 en troisième place du Michelin. Car dans la dixième spéciale, Éric Maufray doit renoncer. Coup dur pour le leader du championnat de France qui abandonne sur problème électrique. Patrick Rouillard tente toujours de revenir sur le Belge Tang, mais un tête-à-queue dans la dixième spéciale ruinera ses espoirs de victoire dans le Michelin. Dans le challenge Inter Clio R3, avantage à la Belgique. Chris Prinsen conservera jusqu'au terme de ce Touquet quelques secondes d'avance sur Cédric Robert, qui, fidèle à sa réputation, n'a pas ménagé ses efforts. Gauche 80 plus. Et 70 mètres. 70 mètres gauche. Ah là, c'était vraiment sympa avec Chris Prinsen. Ça a été vraiment un combat de tous les instants. On finit avec très peu d'écart en sa faveur. Il a été plus vite que moi. Mais en tout cas, vraiment, on s'est éclaté pendant tout le week-end. La voiture a fait des temps extraordinaires au milieu des grosses 2 litres kit car de l'époque. Donc je crois que vraiment, on a bien tiré notre épingle du jeu. La perf du rallye pour Olivier Marty. La Fiat Super 2000 termine 4e et première du trophée Michelin. Super content pour Automeca surtout, qui nous a fait confiance et je pense que tout le monde va être content du résultat. La bonne opération au sein du trophée Michelin est pour Patrick Rouillard, second au Touquet. Il revient à 2 points d'Éric Maufray. Nous, on ne pouvait pas faire mieux que 2e. Éric a eu un problème mécanique, donc ça nous met ex aequo, enfin pas ex aequo, on est à 2 points, mais il a un abandon. Donc maintenant, il faut gagner aux Cévennes et puis bon, ça se jouera au Var. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Pour l'honneur, Patrick Henry signera le dernier temps scratch du rallye, mais le pilote Bezian s'inclinera finalement pour 20 secondes. Oui, ben, on est sorti vendredi soir, on perd 17 secondes, donc on est à 20 à l'arrivée, on s'est bagarré toujours. On est quand même satisfait d'avoir réussi à contenir Jean-Marie. Et bon, ben, c'est comme ça, hein, il était plus rapide que nous et il faudra qu'on fasse mieux que lui sur le prochain. David Salanon a certainement connu le rallye le plus difficile de la saison. Mais il ramène la 307 de BSA à bon port en 3e position et reprend la tête du championnat de France. Aujourd'hui, on se retrouve 3e du Touquet. On se retrouve avec un Touquet dans les jambes. Mais je pense que j'ai vraiment pris énormément d'expérience sur la terre. C'est une épreuve qui restera pas gravé dans ma mémoire parce que j'ai pas spécialement aimé. Mais bon, il fallait la faire, c'est un championnat de France, il faut faire toutes les épreuves. Les 3 Peugeot 307 WRC sont sur le podium de ce Touquet, marqués par un respect du public concernant les mesures de sécurité mises en place le long des routes du Pas-de-Calais. Avec une 3e victoire cette saison, Jean-Marie Kuok se relance dans la course au titre. Voilà, merci. A noter qu'à l'issue de ce rallye du Touquet, et avant même la dernière épreuve lors du rallye d'Antibes, Sébastien Ogier remporte le volant Peugeot 206. Après 3 victoires sur la terre, l'ex-lauréat de l'opération Rallye Jeune FFSA gagne le Touquet et remporte le volant Peugeot 2007. Bah, ça s'est bien passé, quand on n'a pas de problème sur la voiture, il faut féliciter le lycée, ça fait 5 courses qu'on a une voiture sans aucun souci et c'est pour ça qu'on gagne. Les 3 Peugeot 307 WRC sont bien au départ de ce 50e critérium des Cévennes. Comme le veut le règlement, avec moins de 5 WRC engagés, seule la moitié des points de la classe sera attribuée. Même si personne ne peut être sacré dans les Cévennes, la victoire reste l'objectif primordial dans l'optique du titre de champion de France. Ça serait bien de marquer un 6e résultat et puis le meilleur, quoi. Je veux dire, même si au nombre de points on est perdant, mais de toute façon les 3 voitures seront pareilles et ça serait vraiment bien de partir ici avec un maximum des points, surtout le plus des 3 voitures, quoi.
Oui, c'est vrai que le Charbot, on était en tête, on a un petit souci mécanique. Le Rouergue, on était en tête, on a un petit souci de pilote. Là, c'est 100% le pilote. Donc, c'est un peu dommage parce que sans ces deux abandons, le titre serait déjà largement en poche. Maintenant, bon, c'est le rallye. Il n'y a pas de... C'est pas une science exacte. Maintenant, c'est clair qu'ici, pour être serein, un peu plus serein au Var, ça serait bien de partir avec la victoire. Mais je suis confiant. C'est un parcours que j'aime bien. Maintenant, c'est la course. On verra demain. C'est vrai qu'on a hâte de participer au rallye des Cévennes, qui pour moi est mythique. Depuis que j'ai été bercé dans le sport auto, on parlait du rallye des Cévennes par son ambiance, par ses spectateurs. Bon, on va l'aborder comme une manche qu'on va découvrir, avec la difficulté que comporte le rallye des Cévennes. C'est un parcours très, très spécifique et très sinueux. Mais bon, on le savait en début d'année qu'il y aurait quatre manches qu'on allait découvrir, dont les Cévennes, et il faut faire tout le championnat. On va essayer de faire au mieux. De toute façon, il restera encore le Var derrière et je pense que les Cévennes, les choses avanceront, mais que ça sera surtout au Var où vraiment on aura le verdict. Le trophée Michelin peut, lui, se jouer en pays Cévenol en cas de victoire d'Éric Maufray. Mais Patrick Houillard ne voit pas les choses de la même manière. Confiant. C'est un rallye qu'on peut gagner et qu'on doit gagner. Parce que de toute façon, pour le championnat, c'est nécessaire. Il faut absolument qu'on gagne pour remettre les compteurs à zéro. Parce que si Eric y gagne, c'est foutu. Donc il faut absolument qu'on gagne. Et puis après, on verra où va. Mais bon, faisons déjà les Cévennes, gagnons. Et après, on comptera les points. Je pense qu'il faut qu'on gagne le Michelin ici. Si on obtient la victoire ici à Montpellier, eh bien le trophée Michelin sera scellé. Et on pourra se consacrer à d'autres choses au Var. Le trophée Michelin se voit renforcé par la présence du régional Pascal Enjolras pour la première fois au volant de la Peugeot Super 2000 du team BSA. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pour moi, c'est un petit Noël avant l'heure. On va dire que cette année, ça a été difficile de rouler et le fait de pouvoir participer au Cévennes déjà au 50e, c'est déjà génial. Mais en plus, bien sûr, avec une voiture toute nouvelle, une 207 S2000, je suis vraiment content. En plus, devant mon public, ça va être vraiment... je vais essayer de prendre beaucoup de plaisir avec la voiture, quoi. Et bon, aujourd'hui, c'est tellement difficile de trouver des budgets pour pouvoir courir que le fait de faire au moins les Cévennes, d'avoir des partenaires sur la région qui m'ont donné un coup de main, et en plus, bien sûr, notre équipe italienne qui me confie la voiture pour montrer un peu ce qu'on sait faire avec les voitures. Donc, pour moi, c'est une grande... Un grand week-end, quoi. C'est de Ganges que s'élance le 50e Critérium des Cévennes, toujours aussi populaire. Direction Roquedur, puis Pommier pour la première spéciale. Une spéciale longue de 26 km et Jean-Marie Cuoc qui ouvre la route avec son numéro 1 n'est pas dans le bon rythme. 40 mètres, gauche 2, vite ouvre. Gauche 2, vite ouvre. 50 mètres. Et 30 mètres, épingle gauche 2, serré en sortie. Plonge début route. Droite 6, bon, un peu tard, plonge au plein, 60 mètres, épingle droite, plus tard. David Marty encourage son pilote, verdict final, le deuxième chrono à 2 secondes 4 de Patrick Henry. Le pilote Transalliance signe le meilleur chrono et prend la tête du rallye. Mais le Cévennes nous réserve une énorme surprise dès cette spéciale d'ouverture. Le leader du championnat sort de la route, abandon pour David Salanon et Céline Combonde. Dans le trophée Michelin, Patrick Rouillard remet les pendules à l'heure. Après un meilleur temps pour Maufray, il signe les deux meilleurs chronos de cette première partie des Cévennes. 8 secondes d'avance pour la Toyota sur la Peugeot de Maufray, c'est peu, mais déjà beaucoup au goût de Maufray. C'est vrai, 8 secondes, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup quand même. Il faut pas que je lâche Patrick si rapidement, de manière à ce qu'il ait toujours la pression et il ne faut pas que l'écart excède 10 secondes, je dirais. Troisième scratch avec l'abandon malheureux de David Salanon. Donc on est troisième, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être premier au Michelin. On a 8 secondes d'avance sur Eric. Ludo est pas très bien, pas très mal, hein. Il est assez près quand même, donc ça peut se jouer. C'est une bagarre à 3 comme au Mont-Blanc. Pour son retour en rallye et ses débuts avec la Super 2000, Pascal Enjolras impressionne, il se régale et en plus, les chronos tombent. C'est Noël avant l'heure.
On a eu la première spéciale, bon, un petit souci de frein qu'on a résolu à l'arrivée de la première spéciale. Juste derrière, on a enchaîné la 2 et la 3, deux spéciales complètement différentes. Et sur les deux, la deuxième, étonnant le temps à l'arrivée, on était vraiment bluffé. Par contre, c'est vrai qu'en sensation pilotage, c'est vraiment extraordinaire. La 207 est vraiment une très très bonne voiture. Et la troisième, ben, très rapide, atypique des Cévennes même. Et ben, on a vraiment roulé, on a vraiment attaqué. Je suis encore un peu loin des capacités vraiment de la voiture. Quand je vois déjà les temps qu'on fait, je me dis que bon, j'hésite encore. Il y a encore des choses qui ne sont pas vraiment instinctives, mais vraiment étonnant, quoi. C'est fabuleux, quoi. Patrick Henry est intouchable en ce début d'épreuve. Troisième temps scratch, un sans faute. Il termine cette première boucle avec 7 secondes d'avance sur Jean-Marie Kuok. C'est reparti pour une nouvelle boucle. On retrouve Kuok et Marty à bord de la 307 dans un nouveau passage de Roquemure. Plus tard, allez, 60 mètres. On s'applique, hein. Allez, gauche 3, 60 mètres, gauche 3 et 50 mètres, gauche à fond absolu. Allez, gauche à fond absolu et 80 mètres en bas, droite 6, bon, un peu tard, plonge au pain et 60 mètres au bout, épingle droite. Allez, vas-y, épingle droite. 16,58,4, c'est mieux que lors du premier passage, mais c'est encore mieux pour Patrick Henry, 16,52,6. Kuok devra attendre la cinquième spéciale pour signer son premier temps scratch et reprendre 6 secondes à Henry. Après l'abandon de Salanon, cette spéciale va faire une autre victime de taille, en la personne de Patrick Rouillard. Problème mécanique pour la Toyota, Rouillard abandonne et laisse Éric Maufray se diriger vers la victoire. Maufray peut avoir le sourire après son succès dans la finale de la Coupe de France. Il se dirige tout droit vers un titre dans le trophée Michelin. C'est vrai que maintenant, avec l'abandon de Patrick, ça me soulage un petit peu la pression. Maintenant, il n'y a plus qu'à gérer notre avance et aller au bout. Maintenant, on va écouter un petit peu la voiture, pas faire d'erreur. Ça peut vite arriver dans les Cévennes, c'est des routes bien particulières et difficiles. Mais bon, ce qui concerne la course, c'est la course. Et c'est vrai que bah, c'est dommage pour Patrick. Là, c'est les chances de. On n'en sait encore rien, mais c'est vrai que là, moi, je peux définitivement sceller le trophée Michelin demain soir. Mais attention au retour de Pascal Enjolras au volant de la Super 2000. Il signe un quatrième chrono remarquable dans la quatrième spéciale. Pour gauche 40, ouvre, droite 83. Pour gauche 40, ouvre. Pour gauche 115, sur droite 82. Gauche 115, sur droite 82. Et gauchy sur droite 82. Là, on referme 60. Au soir de la première journée de ce critérium des Cévennes, il occupe la cinquième place à seulement 2 secondes de Ludovic Gall. Pour le scratch, Henry mène 4-2 devant Kuok avec un bonus de 8 secondes en faveur du pilote Bozion. Les spectateurs ont répondu en nombre pour célébrer ce 50e anniversaire du critérium. Samedi matin, un public nombreux mais attentif aux mesures de sécurité attendent les pilotes. Il est vrai que la région compte de nombreux pilotes engagés dans cette manche du championnat. Citons Jean-Éric Petit au volant de sa Subaru, leader du groupe N et qui espère rentrer dans le top 10 du rallye. Sur droite 3 moins Milan et sur de suite gauche 2 et sur de suite gauche 2 derrière. Yannick Vivens et sa modeste Peugeot 106, auteur de quelques chronos d'anthologie. Et Guillaume Canivant, au volant de la 206, le jeune Guillaume domine les Clio et réalise lui aussi un parcours remarquable. Patrick Henry signe dans la superbe spéciale de la Cadière, 8,51. Jean-Marie Kuok suit, attaque, mais l'Ardéchois effectue un tête-à-queue et perd 9 secondes dans cette spéciale. Enjolras passe Gall pour la quatrième place du général, mais aussi la seconde du Michelin. Mais pas pour longtemps, Ludovic Gall reprend son bien après la spéciale de Saint-Martial-les-Plantiers. Maufray roule vers le titre en Michelin. Nous sommes au départ de la 9e spéciale. 80 mètres. Oh putain. Oh putain. Oh la merde. Allez. Attends, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? On va changer le pneu.
Attends, roule un petit peu, voir comment... Ah, j'ai pété le train, tu vois. Regarde. Grosse alerte, mais Éric Maufray continue. Il doit absolument rallier Montpellier pour s'imposer dans le trophée Michelin. Mais la roue ne tiendra pas jusqu'au bout. Énorme déception pour Maufray et regain d'espoir pour Rouillard. Tout se jouera au rallye du Var. Putain, ah ben la trop. Ah putain, c'est mort, c'est tout mort. Dans le dernier passage de la Cadière, Enjolras et sa Super 2000 signent un étonnant troisième temps scratch. Enjolras brille, égale casse, une transmission. Dommage, la lutte n'ira pas à son terme, la 306 Maxi devra renoncer. Olivier Marty, après sa performance du Touquet, a repris les commandes de la Clio Super 1600 et le voilà deuxième du Michelin, cinquième au général. La dernière boucle sera entièrement à l'avantage de Patrick Henry. Pour cet anniversaire des Cévennes, Patrick et Magali ont dominé depuis le départ en réalisant 9 meilleurs temps sur 12. Seul en catégorie GT, après le forfait d'Alexandre Benguet, Gilles Nantais a comme de coutume réalisé un parcours sans faute. À la fois rapide et spectaculaire, il termine 5e au volant de la Porsche. Les régionaux continuent de briller, Guillaume Canivan place sa 206 à la 6e place du rallye. Le jeune Guillaume a devancé toute la troupe des Clio R3. Sixième au général et 23 secondes devant Cédric Robert, qui est la référence, alors que du bonheur. Et au Var, on va essayer d'être là et on verra bien. Quant au grand et sympathique Jean-Éric Petit, associé à Céline Charbonnier, il gagne le groupe N et rentre dans le top 10, objectif atteint. Oui, ce rallye a été une partie de plaisir. Depuis le début de championnat, on est vraiment, vraiment fiable. Performante, la Subaru fonctionne très bien, l'équipe aussi, et c'est de bon augure pour la suite du championnat terre et asphalte. Mais le mieux placé des représentants Cévenol est bien sûr Pascal Enjolras, troisième au général et vainqueur du trophée Michelin. Enjolras décroche le meilleur résultat enregistré à ce jour dans le championnat de France des rallyes avec une Super 2000. Techniquement, c'est une voiture vachement facile pour nous à suivre. Et on a bien bossé, on a bien préparé ce rallye. C'est sûr qu'il y avait aussi la route qui était quand même pas facile. Il y avait de nombreux pièges, on avait des bons ouvreurs. Remercier tout le monde, les partenaires, etc. Et puis le faire sur le rallye des Cévennes, c'est quand même fantastique parce que j'ai pas eu beaucoup de réussite auparavant. Donc pour moi, c'est vraiment un grand plaisir, quoi. Partagé entre la déception de ne pas gagner et la joie d'être toujours en lice pour le titre de champion de France, Jean-Marie Cuoc rejoint Montpellier en deuxième position. Oui, déçu forcément. L'objectif, c'était de gagner. Mais bon, on est là, c'est pas si mal que ça quand même. Vu qu'on avait plus de joker, on fait une deuxième place, donc c'est pas mal non plus. Et puis, au Var, si on gagne, on aura le titre, donc ça aussi c'est bien. Impérial dans les Cévennes, 32 ans après son père, Patrick Henry remporte le Critérium des Cévennes. C'est vrai que mon père l'a gagné il y a une trentaine d'années, donc ça me fait super plaisir. Des routes super, sèches. Et vraiment un beau parcours, très belle bagarre avec Jean-Marie. Et puis ça nous remet en bonne position pour aller se bagarrer au rallye du Var. Donc on espère bien figurer. Même si pour la seconde fois de la saison, il ne marque 15 points au lieu des 20 qui devraient sportivement lui revenir, Patrick Henry maintient le suspense. Tout se jouera au Var, où celui qui remportera le rallye devra être sacré champion. Conclusion en image de cette formidable saison du championnat de France des rallyes dans le prochain DVD d'échappement. Fin novembre, le titre de champion de France des rallyes 2007 se jouait autour de Sainte-Maxime lors du traditionnel rallye du Var. Quatre pilotes pour un titre, un remarquable suspense, avec en favori les trois pilotes des Peugeot 307 WRC. Éric Maufray, lui aussi, peut devenir champion de France, mais son objectif prioritaire reste le trophée Michelin. Chez les favoris, à savoir Patrick Henry, David Salanon et Jean-Marie Cuoc, chacun essaye d'évacuer au mieux la pression, sachant qu'au terme des 238 km de spécial, un titre de champion sera décerné.
La pression, il y en a, mais je dirais, bon, pas plus qu'au Cévennes où il fallait faire un bon résultat, qu'au Touquet, non, que c'est deuxième demi-saison, pas plus de pression, si ce n'est que, bon, la météo est un peu capricieuse, donc là, je pense que ça va être un petit peu compliqué avec le choix de pneus et tout, mais bon, ça fait partie du rallye. Bah, c'est vrai que c'est ma troisième participation, ouais, on connaît bien le rallye du Var. Maintenant, bon, on a vu que sur d'autres rallyes, même si on ne connaissait pas trop, on pouvait faire des temps. La preuve au Cévennes, c'est que je l'avais fait que deux fois, donc et on s'en est bien sorti. Donc si on a des bonnes notes et on arrive à faire quelque chose de bien en reco, il y a moyen de se bagarrer tout de suite, je pense. Ça sera ma troisième participation, mais dans des conditions comme ça, je ne l'ai jamais fait. Donc ça va changer quand même beaucoup, beaucoup de choses. Bon après, je pense qu'il faudra quand même être assez vigilant et assez prudent dans la première spéciale, qui est une spéciale sans grippe, tout au contraire de ce qu'on peut rencontrer au rallye du Var. Et puis on verra au fil du rallye. Voilà, bon, on essaiera de pas confondre une note comme on a confondu au rallye des Cévennes. Et donc voilà, mais bon, c'est vrai que j'adore la région puisque j'ai ma maison secondaire qui est là. Quoi qu'il se passe ici. C'est une des 8 courses et puis on compte tous les points. On a déjà fait des erreurs au cours de la saison. Sans ces erreurs, c'est vrai qu'on pourra avoir le titre, peut-être. Mais non, bon, ça va. D'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal que les conditions soient pas très simples. Ça gommera peut-être un peu l'handicap de la connaissance du terrain. Mais avant même le départ de la première spéciale, le collège des commissaires informe qu'une pénalité de 20 secondes est infligée à David Salanon, Jean-Marie Cuoc et Patrick Rouillard pour non-respect de la réglementation sur les reconnaissances. Réaction. 20 secondes de handicap sur des gens qui sont aussi performants que nous, ça va être difficile. Mais bon, je suis dégoûté, quoi, de toute façon. C'est une décision qui a été prise. Ce que j'avais peur, c'est qu'on se serve de nous comme exemple. Maintenant, là où c'est un peu dommage, c'est que, en fait, j'ai simplement bossé sur des vidéos, sur des choses. Des notes de concurrents précédents et malheureusement ce que j'ai fait m'a pas apporté grand chose et par contre 20 secondes c'est gros quoi. Retour au sport avec la première spéciale disputée dans des conditions délicates, humidité et brouillard. David Salanon fait parler la poudre et le chrono 8-0-2-1. Un temps qui permet au pilote Yako de devancer de 17 secondes Patrick Henry. Et surtout Jean-Marie Cuoc. Mal à l'aise en début de course, l'Ardéchois accuse un retard de 26 secondes. En deux spéciales, David Salanon va effacer sa pénalité de 20 secondes. Deuxième temps scratch, dans Gonfaron, Salanon revient au niveau de Patrick Henry. Le pilote Transalliance conserve une seconde et demie d'avance, mais il doit surveiller le retour de Salanon. Jean-Marie Cuoc reste encore en retrait, mais récupère tout de même la troisième place au classement général. L'Ardéchois, à l'inverse de ses adversaires, avait choisi des pneus slick retaillés au lieu des pluies. Mais dans la troisième spéciale, il signe le meilleur temps, revenant ainsi à 26 secondes de l'homme de tête. Ça s'est passé, on va dire, tranquillement pour un début de rallye. La première spéciale, par contre, non, pas tranquille. La première, c'est vrai que je pense que j'étais dans un faux rythme, pas dedans. Et bon, les deux autres spéciales, on va dire que ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Mais la première, par contre, c'est catastrophique. Pour son premier retour à Sainte-Maxime, c'est David Salanon qui arrive le premier au port. 10 secondes d'avance sur Patrick Henry. Bah c'est vrai qu'on est satisfait, on part avec 20 secondes de retard d'entrée du rallye, on rentre avec 10 d'avance. Je dirais que j'ai roulé sur un bon rythme, mais pas irraisonné. Hein. Mais bon, c'est vrai que quand on aime une région, bah comme je dis, elle te le rend. Hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Bon, mais c'était très glissant, j'avais jamais roulé avec la 307 sur le glissant comme ça. On a fait ce qu'on a pu, on s'en est plutôt bien sorti et puis voilà, donc il y a une étape de fête, il reste deux gros morceaux, demain des spéciales que j'aime beaucoup, donc on va voir comment ça va se passer. Un petit peu mitigé, c'est vrai que dans la première spéciale qui était très difficile avec beaucoup de brouillard, bon, on a dérouillé pas mal, donc après on s'en est bien sorti dans Colombrière, on a fait un temps correct et puis dans la troisième on a eu une panne d'alternateur, donc on a fait toute la spéciale sans phare. Et bon, la nuit arrivait, donc je pense que ça nous a pénalisé un petit peu.
Mais bon, il y a encore deux longues journées, donc vivement demain, mais la bagarre est bien lancée. Dans le trophée Michelin, qui lui aussi se joue au VAR entre Éric Maufray et Patrick Rouillard, rien ne va plus pour le pilote Toyota. Rouillard n'a plus la tête à la course après sa pénalité infligée avant le départ. Mauvais choix de pneus dans la deuxième spéciale. Le voilà à 16 secondes de Maufray. Mais surtout, le goût n'y est plus. Trop de stress, Je ne suis pas arrivé à me concentrer comme il faut. Mauvais choix de pneus. Et puis bon, quand on se bat la seconde, si on n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas rouler comme il faut. Donc j'en lâche et... Je sais pas, on va voir si on repart demain ou pas, j'en sais rien. Je vais faire le calcul. Je vais pas aller me sortir si je suis pas bien dans ma tête. Quoi. Voilà. Donc pour le moment, le problème il est plus psychologique qu'autre chose. Quoi. Voilà. Patrick Rouillard sera exclu par le collège des commissaires de course pour des propos jugés diffamatoires. Éric Maufray remporte donc, quel que soit le résultat de ce rallye, le trophée Michelin 2007. Dans ce trophée Michelin, Olivier Marty est le plus menaçant pour Éric Maufray. De nouveau, au volant de la Fiat Grande Punto Super 2000, il occupe la seconde place du Michelin devant Michel Boessi. La Fiat profite de ses premières spéciales pour dominer l'autre Super 2000, la Peugeot 207 du team BSA confiée de nouveau à Brice Tirabassi qui accuse une vingtaine de secondes de retard sur l'italienne. Sur des routes toujours très humides, David Salanon réalise un nouveau temps scratch. Si Patrick Henry limite les dégâts en ne concédant que 2 secondes dans cette spéciale de Colobrière, rien ne va plus pour Jean-Marie Cuoq qui lâche 17 secondes dans ce passage. Cette fois, Brice Tirabassi devance nettement Olivier Marty dans la lutte franco-italienne en Super 2000. Belle performance de Michel Boessi sur la 306 Maxi, meilleur temps dans le classement du trophée Michelin. A noter au VAR le retour en championnat de France d'Alexandre Benguet au volant de la Porsche du team Ronfort. Un terrain pas franchement à l'avantage de l'Allemande, une mission délicate pour l'ex-vainqueur du Rallye du Var et successeur de François Delecour au volant de la Porsche. Cinquième et sixième spécial. David Salanon conforte son avance, à tel point que beaucoup voient en lui le futur vainqueur du rallye et du championnat. Le pilote Yako possède 27 secondes d'avance sur Henry et plus d'une minute sur Cuoq. L'homme de la Loire apprécie le VAR. Patrick Henry n'est pas pleinement satisfait du comportement de sa 307 sur le mouillé. Objectif, réglage différent et attaque à outrance pour revenir sur le pilote de tête. Nouveau coup de théâtre dans ce rallye du Var à rebondissement. Salanon crève dans la 7e épreuve spéciale. Il perd 4 minutes et sauf abandon de ses rivaux, il perd également un titre qui s'offrait à lui. Non, c'est vrai que ça s'est pas bien passé du tout. Et puis en plus, cette crevaison, je l'explique très très mal. Je me trouve au milieu de la route et la voiture qui s'affaisse comme ça. Je m'étais bien décidé en ce spécial de ne pas faire de faute, de bien rester au milieu de la route, de bien rester concentré. Et en plus, du départ de la spéciale, c'est du circuit jusqu'à où j'ai crevé. Donc il n'y avait aucune corde, rien du tout. Et on n'a pas compris parce que le pneu est à peine blessé. Donc j'ai de gros regrets sur ça. Bon, après, quand on est positif, on se dit qu'on aurait plus d'une minute 20 d'avance sur le deuxième au jour d'aujourd'hui. On serait encore en tête du championnat ce soir. Le titre 2007 se joue désormais entre Henry et Cuoq. Ce dernier enchaîne 2 temps scratch dans Vidauban et Colobrière. Ça glisse de plus en plus en cette fin d'étape et ce genre de conditions ne semble pas déplaire au champion de France Terre. 50 mètres, droite à fond. Allez, 50 mètres, droite à fond, 50 mètres, droite, 3 vite. Fini 30 mètres, long gauche, 2 tard. Voilà l'Ardéchois, revenu à 20 secondes du leader, avec 2 longues spéciales au programme de la dernière étape, tout est encore possible. Longue gauche de juste, 20 mètres, droite à fond, et 30 mètres, droite à fond, ouvre, 50 mètres, droite 3, plonge, première bite. 40 mètres, gauche 2, plonge, petit arbre. Aujourd'hui, oui, on s'est craché dans les mains, mis à part, on va dire, la première spéciale où on laisse beaucoup de temps. Le premier tour des 3 spéciales n'a pas été,
a pas été très bien, mais c'est vrai que le reste, les quatre dernières, c'était pas trop mal, quoi, voilà. Mais il fallait réagir, c'était le moment, parce que sinon après c'était fini. Maintenant bon, on grignote un peu, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, donc demain ça sera pour rouler et pas calculer grand chose. Patrick Henry rejoint samedi soir Sainte-Maxime en leader. Et à ce moment du rallye, il est champion de France. Mais le pilote Transalliance sait que l'écart n'est pas encore suffisant, étant donné la longueur des deux dernières spéciales de dimanche. Jean-Marie est quand même pas très loin derrière, donc demain par rapport à l'écart au kilomètre et à l'écart qu'on a entre Jean-Marie, il n'y a rien du tout, donc c'est comme s'il n'y avait rien. Donc il va falloir rouler, être bien réveillé et puis pas faire d'erreur pour rouler le plus vite possible. Éric Moffret a repris son rythme de croisière avec au passage la première place du trophée Michelin. La Peugeot 306 Maxi devance la nouvelle Super 2000 de Brice Tirabassi. Cette fois, la Peugeot a pris le meilleur sur la Fiat en Super 2000. Le régional de l'étape est de plus en plus à l'aise avec cette voiture. De très bon augure également pour la saison 2008 puisqu'il disputera le championnat IRC. Très bonne journée. Bon, l'objectif avant tout, c'était de remonter sur Olivier Marty. On a eu la chance de pouvoir le faire. Et après, c'est vrai qu'on s'est pris un petit peu de bagarre avec Éric Moffret. On est en bilan hyper positif parce que bon, c'est vrai qu'il y avait des conditions pluvieuses, mais la voiture a bien progressé et on a pu faire des temps très sympas, surtout dans la longue cet après-midi de Vidauban. Donc voilà, ça prouve que la voiture a du potentiel. Nous aussi, c'est vraiment de bon augure pour l'année prochaine. Dernière journée et Sainte-Maxime retrouve enfin des couleurs et une météo digne du sud de la France. Guillaume Canivan et sa Peugeot retrouve des couleurs, 5e puis 6e temps scratch, belle performance. Les duettistes du Losange s'en donnent à cœur joie. Au terme de ce rallye, Emmanuel Guigou, auteur de quelques chronos remarquables, s'impose lors de ce rallye du Var. Coupe de France, trophée Michelin et 3e du championnat de France. Éric Moffret réalise certainement sa plus belle saison de sport automobile. J'ai rarement fait une telle saison, puisqu'on a toujours été aux avant-postes, on s'est toujours bagarré pour la victoire et on termine de manière superbe en remportant le trophée Michelin à la fois au Var et à la fois la Manche. Donc voilà, on a aussi gagné la Coupe de France. Tous les objectifs qu'on s'était fixés, on les a atteints. David Salanon déroule tranquillement sur ses dernières spéciales. David est lui aussi passé près du titre, mais une crevaison en a décidé autrement. En tout cas, ses débuts au volant d'une WRC ne seront pas passés inaperçus et ses deux victoires non plus. Je voulais vraiment gagner ce Var et puis hier à midi, avant notre crevaison, je pensais pouvoir gagner le titre parce que j'avais pas peur de me confronter à Jean-Marie dans les dernières spéciales, même pleine terre. C'était assez simple, je serais parti dans les deux dernières spéciales à Toc parce que si à si près du but, moi qui viens depuis le début de l'année dans le championnat de France, j'aurais tout tenté. Bon, il y a cette crevaison qui nous élimine, mais ce qu'il faudra retenir cette année, c'est pour ma première saison, je pense qu'on a fait des perfs exceptionnelles pour quelqu'un qui découvrait. Et je pense que un petit peu, on méritait quand même un petit peu le titre par rapport à ce rallye du Var. 20 secondes d'écart entre Patrick Henry et Jean-Marie Cuoq. Il reste 65 700 km de spécial et au bout, il y a un titre de champion de France pour succéder à Nicolas Vouilloz. 7h05, dimanche matin, c'est parti, face à face Cuoq-Henry. Cuoq reprend 8 secondes dans Gonfaron, mais cela ne suffit pas. Patrick Henry est toujours champion de France avant l'ultime épreuve. Gauche 5 à fond absolu, gauche 5 à fond absolu et 80 mètres. Droite 4 et 40 mètres, gauche 3 très vite, presque bon plonge après l'arbre penché, 50 mètres, droite à fond, allez, droite à fond, fini 40 mètres, gauche de vite, plonge à l'arbre, corde au deuxième cuisse, 20 mètres, droite à fond, 40 mètres, gauche à fond, 40 mètres, droite 2, plonge, milieu parking, 30 mètres, gauche 2, va chercher, 50 mètres, droite de vite, plonge avant poteau, 40 mètres, droite 4 juste, 20 mètres, gauche 3 vite, 50 mètres, long gauche 3 très vite, corde au rail, 40 mètres. Mais Cuoq attaque encore plus fort et renverse la tendance. Au final, Patrick Henry s'incline de 12 secondes.
Très déçu de ne pas avoir remporté le championnat. C'est vrai que j'aurais bien voulu le faire pour mon partenaire, pour mes supporters, pour tous les gens qui m'aident. Et puis bon, cette mésaventure avant que le rallye commence, l'image est un petit peu faussée par rapport au sport. On voit bien dans le cyclisme, les gens se dopent. Donc là, c'est un petit peu pareil, quoi. Donc surtout déçu là-dessus, déçu du respect qu'on peut avoir entre nous. Maintenant, bon, après, la réglementation, elle est comme ça et on n'a rien à dire. Je veux dire, ils ont roulé plus rapide que nous sur tout le rallye, donc la victoire n'est pas volée sur le plan rapidité. Je ne pense pas qu'ils ont besoin de ça pour gagner, de ce qu'il y a eu. Mais bon, il y a eu ça et après, on peut avoir le doute sur toute l'année. Donc, ce qui est bien dommage de s'être battu à coup de dixième. Je pense que c'était un beau championnat jusque-là. Jean-Marie Cuoc réussit son pari d'une double couronne sur la terre et l'asphalte. Avec une quatrième victoire lors de ce rallye du Var, il devient champion de France des rallyes 2007. On était trois à avoir les mêmes voitures et ça c'était sympa parce que un coup l'un, un coup l'autre. C'est vrai que jusqu'à là, ils avaient deux victoires, moi j'en avais trois. Bon là on part avec quatre mais c'était serré et c'est bien, c'est ça la course. Et là, jouer le championnat dans la dernière spéciale, c'est quelque chose de fabuleux.